Salut à tous, c'est Edouard, j'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Donc on a réussi finalement à faire le live, donc le webinaire Supply Chain, le premier, après mon grand moment de solitude sur YouTube où le son ne marchait pas. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, merci à tous ceux qui m'ont rejoint, on était vraiment nombreux. Et donc ce que je vous propose, c'est un replay. Et donc, c'était un peu plus long que prévu, c'est pour ça que je vous fais une petite introduction. Donc, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez récupérer les slides sous la vidéo. Et si vous avez le temps, mais je vous propose de réintroduire avec le plan de quoi on a parlé, vous pourrez choisir peut-être les moments qui vous intéressent le plus. Donc, on a d'abord commencé par la situation actuelle. Donc, je vais vous partager des chiffres sur où on en est. Par rapport à la Chine, la reprise de la Chine, c'est intéressant de voir comment elle a réagi et l'impact qu'on peut déjà voir sur notre économie et sur notre marché. Ensuite, on va parler des incertitudes d'approvisionnement. Donc, on a eu énormément de retard au début. Et encore une fois, je vais vous donner mes 7 conseils pour essayer de minimiser cet impact, notamment sur votre ERP ou logiciel de gestion de stock. Ensuite, je parlerai d'incertitudes de la demande. Donc, on a des marchés qui ont explosé, comme les masques. On a des marchés qui se sont effondrés, comme le textile. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller regarder des courbes de demande, notamment sur Google Trends. On va parler du papier toilette, des pâtes, des voitures, des produits pour bébés, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment une partie qui peut être très intéressante. Et je vous donnerai encore une fois 11 conseils pour améliorer vos prévisions de vente. Ensuite, on parlera de gestion de la pénurie. Donc, on a beaucoup d'industries qui sont en pénurie. Donc, je vais vous partager 11 conseils concrets pour gérer cette pénurie au mieux. Et on regardera notamment un cas concret sur. Sur une personne qui importe des masques FPP2, FPP3 qui est en rupture aujourd'hui. Ensuite, on parlera de la gestion des surstocks. Donc, 80% des industries sont aujourd'hui touchées, leur demande a baissé. Et donc, je vous partagerai encore une fois 11 conseils concrets pour réduire vos stocks, pour minimiser cet impact concrètement. Nous parlerons ensuite de comment communiquer pendant la crise. Pour moi, c'est un point qui est fondamental et sous-estimé, je trouve, en supply chain. Ensuite, la partie pour moi la plus intéressante, on va parler des 5 impacts et opportunités. Face à cette crise, donc vous allez voir qu'on a des nouveaux business qui vont se créer et des nouvelles opportunités pour les professionnels qui travaillent en supply chain. Je vous partagerai enfin mes conseils de que faire pendant votre quarantaine pour développer vos compétences, que vous soyez dans votre entreprise ou chez vous dans votre canapé tranquillement. Et enfin, je répondrai à de nombreuses questions, donc c'est la partie la plus longue. Donc on reviendra sur certains marchés comme le marché du yoga, on reparlera des paramètres sur les ERP. Sur est-ce qu'il faut changer de job pendant cette crise, etc., etc. Donc voilà pour le détail complet. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez récupérer les slides sous la vidéo. Je vous ai mis tous les liens. Donc bon visionnage et on se dit à bientôt pour d'autres webinaires et vidéos YouTube. Ciao, ciao! Salut à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. On va se détendre un peu. C'est pas une réunion de travail. L'idée, c'est vraiment de partager ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, ce que je vous propose, c'est de me remettre votre secteur d'activité et votre pays. Comme ça, j'aurai une bonne idée. Et ensuite, on va aller voir des cours de demande et j'essaierai de regarder plusieurs secteurs d'activité qui vous concernent. Donc, consultant supply chain, Dominique. Cosmétique, Gérard, on s'est parlé il y a 2 jours. Médical, aéronautique, Maroc. France chimie, Suisse. Retail, Irak, Mamadou, on s'est parlé la semaine dernière. Carrefour. Supply chain, e-commerce, sécurité France, conseil Paris, électronique, formation, câblage, agroalimentaire, automobile. Donc, c'est vraiment très, très varié. Et ce que je vous propose, c'est voilà, continuez à mettre vos pays. France, logistique France, Maroc. Salut à tous. Salut la France, salut le Maghreb, salut l'Afrique, salut le Canada. Pas beaucoup de monde d'Asie, à mon avis. OK. Super, je vais continuer à regarder vos commentaires. Et ce que je vous propose, c'est de commencer. Normalement, vous devez voir mon écran. Vous pouvez régler la caméra pour ceux qui sont en direct. Donc, je proposerai un replay de cette présentation pour ceux qui ne sont pas là et pour ceux aussi qui ont une réunion. J'aime bien parler, donc je vais essayer de pas trop parler, mais l'idée, c'est de vous présenter. Donc, j'ai reçu déjà des questions par email. L'idée, c'est de vous faire une présentation par rapport aux questions que j'ai reçues et par rapport à ma vision des choses. Et ensuite, je répondrai, pardon, aux questions. Sur voilà, vos questions à la fin de la présentation. Donc, ça sera à peu près, je pense, 45 minutes de présentation. J'espère d'être assez efficace et focus. Et ensuite, je répondrai à vos questions et vous pouvez, pendant ce temps-là, continuer à mettre des commentaires. Ça vous va? Super. Donc, bienvenue. Donc, moi, c'est encore une fois, je me représente encore une fois, c'est Edouard Thulleux, c'est la personne que vous voyez qui fait semblant de travailler sur cette photo.
Donc ça fait plus de 10 ans que je travaille en supply chain. Voilà, j'ai différentes expériences comme vous, hein, vous avez probablement autant d'expérience que moi. Donc stagiaire, usine, entrepôt, chef de projet supply chain logistique. Je travaille sur beaucoup d'algorithmes pour automatiser notamment les prévisions, les approvisionnements, les réapprovisionnements et la distribution de stock. Demand Planning Manager, S&OP Manager, Supply Chain Director. Voilà, avec des hauts et des bas comme tout le monde, hein, du stress, des moments de succès, des moments de doute. Récemment, j'ai créé ABC Supply Chain. Et donc, je suis passé consultant, coach, entrepreneur et Supply Chain Digital Nomad. Donc, je vais en reparler. Ça fait partie des opportunités. Donc, je vous reparlerai de ce terme Supply Chain Digital Nomad et YouTuber. Donc, j'ai une petite chaîne YouTube. Si vous la connaissez pas encore, je vous invite aller faire un tour sur ABC Supply Chain. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal de pays, donc qui m'a permis de voir le monde de différentes façons. Donc, en France, en Malaisie, au Brésil, en Australie, et je suis très récemment revenu en Europe. Donc là, je vous appelle depuis mon appartement au Portugal, où je suis bloqué comme vous depuis 3-4 semaines. YouTubeur débutant, alors, ouais, je suis un YouTubeur débutant, Thibaut, tout à fait. Ok? Quelqu'un veut du thé? Non? Ok, on continue là. Donc, juste par rapport à ABC Supply Chain, très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, mon objectif, c'est de vous partager des outils et des solutions simples pour améliorer vos performances. Donc, je commence forcément avec les fondations, avec les choses basiques. On va parler beaucoup de choses basiques, vous allez voir aujourd'hui, par rapport à la gestion de la crise, à la gestion de stock. Et l'idée, c'est d'essayer à ma faible échelle d'essayer d'améliorer vos performances pour passer d'un niveau fondation, professionnel, expert, voire leader pour avoir un profil qui soit le plus attractif possible. Si vous êtes entrepreneur, je vois qu'il y a quelques entrepreneurs, améliorer vos performances et donc votre rentabilité dans l'entreprise. Et aussi, pour ceux qui travaillent en supply chain, essayez d'avoir un profil qui soit plus attractif. Donc, vous aurez la liberté de choisir votre travail. Et je vais essayer aussi d'apporter un peu de fun, parce que la supply chain, on a souvent beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui se plaignent. Mais voilà, il y a aussi plein de choses positives. Je trouve que c'est un sujet passionnant. Donc, mon objectif, c'est d'essayer de vous amener dans cette direction. Il y en a certains qui sont déjà très hauts, il y en a certains qui commencent. Et pour ça, je fais des vidéos YouTube, des Excel, des outils. Je fais mon premier webinaire aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir qu'on soit aussi nombreux. J'ai déjà fait quelques formations. Je fais du coaching et du consulting pour ceux que ça intéresse. Et je vais démarrer aussi des masterminds et des apéros quand on aura le droit de revoyager. Donc, je vous invite, en tout cas, si vous passez par le Portugal, à venir boire un coup avec moi, avec ou sans alcool. Et j'essaierai aussi, quand je voyagerai pour mes conférences ou mes déplacements, d'essayer de vous voir, parce que ça ferait vraiment plaisir de rencontrer un maximum d'entre vous. Donc, voilà pour la petite présentation. Est-ce qu'il y a des blagues? Oui, on aura la présentation. Donc, je vais envoyer la vidéo. Tout sera enregistré. Normalement, ça marche. Ou au Portugal, Lisbonne. Je te donnerai mon adresse si tu veux envoyer un cadeau après, Jean-Pierre. Donc, concrètement, le programme de ce webinaire. Situation actuelle. Donc, je vais revenir sur la situation actuelle. Je suis pas un expert en santé, mais on a des tendances que je vais vous représenter, que vous connaissez probablement. Je vais déjà commencer par le très court terme. Donc, on va parler des incertitudes sur l'approvisionnement, sur la demande, sur les gros problèmes qu'on a de gestion de la pénurie, sur, on va dire, 20% des industries et des gros problèmes de stock sur le 80% du reste du business qui ne vend plus en ce moment. Donc, je vais vraiment commencer par des sujets de très court terme. J'ai reçu des exemples très intéressants de la cosmétique. J'ai un exemple d'une personne qui importe des masques en ce moment et qui est en rupture. Donc, c'est un sujet très intéressant dont on va discuter. Ensuite, je vous parlerai rapidement de la communication en crise. Je pense que vous avez tous une opportunité par rapport à ça. Et enfin, je vous partagerai, pardon, c'est du direct. Je vous partagerai pour moi, les gros impacts et aussi les grosses opportunités que je vois dans nos métiers. Donc, c'est qui est pour moi la partie la plus intéressante. Donc, je vous conseille de me suivre jusqu'au bout. Et ensuite, si on a le temps, je parlerai un peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont en quarantaine, ceux qui ne travaillent pas. Et d'ailleurs, si vous travaillez encore, je vous remercie de faire une petite pause pour venir à ce webinaire et je bois du thé à votre santé. Ok, ça vous va? Donc, j'essaie de suivre les commentaires en même temps, mais je vais essayer d'aller droit au but. Donc voilà pour le programme. Et donc on est parti. Donc avant de démarrer, alors vous n'allez peut-être pas voir tout ce graphe, mais c'est Grégory qui est dans le chat d'ailleurs que je remercie qui m'avait partagé ce graphe.
Mon objectif aujourd'hui, c'est surtout d'essayer d'apporter des choses positives. Et donc aujourd'hui, si vous voyez, donc regardez pas tout ce qui est sur ce graphe, mais ce qui est important, c'est qu'on a. Moi, j'ai commencé par l'ignorance en disant bah le virus, ça va pas m'impacter, c'est juste une grosse grippe. À la peur en disant qu'est-ce qui se passe, tout le monde ferme ses frontières, tout le monde va mourir. À ensuite, bah, une prise de connaissance et plus d'informations qui m'a permis d'apprendre par rapport à ce sujet et sur moi-même. Et moi, je veux vraiment essayer aujourd'hui de vous apporter un tout petit peu de, voilà, de essayer de vous apporter quelque chose de positif, peut-être apprendre un peu sur qu'est-ce qui va se passer, comment vous pouvez peut-être réagir par rapport à cette situation. En tout cas, je vais essayer de vous apporter dans cette zone, on va dire, de croissance et pas dans cette zone de peur où tout le monde va mourir et on va tous finir au chômage et sans abri. Donc moi, c'est vraiment mon objectif d'essayer de vous envoyer des ondes positives aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'on va démarrer. On va quand même commencer par la situation actuelle qui est quand même pas top top. Donc on regarde tous ces chiffres tous les jours. Là-bas, en voici quelques-uns de ce matin. Par rapport à ces chiffres et par rapport à ce que je disais à YouTube avant que sur YouTube avant que ça coupe, c'est qu'on a un vrai problème de données sur ces chiffres. Et donc je vous invite vraiment à aller voir, pas tout de suite, mais après le TED qui avait enregistré Bill Gates sur Skype, où il montrait qu'en fait le principal problème qu'on avait avec ce corona, c'est qu'on n'a pas pu faire assez de tests, donc on n'avait pas assez de données pour mesurer l'impact et pour prendre des décisions rapidement. Et je pense qu'on a à peu près le même problème aujourd'hui en supply chain. C'est qu'on n'a pas vu venir ce corona, on n'a pas mis à jour rapidement nos délais, notre demande, et donc aujourd'hui, on est vraiment en train de subir cet impact. Mais ça pourrait être une autre crise, ça serait exactement le même problème. On n'a pas assez de données sur cette crise. On commence à peine à en avoir, et on voit que tous les pays qui n'ont pas commencé rapidement à tester les gens ont dû prendre des mesures qui sont vraiment drastiques et qui aujourd'hui sont en train d'impacter massivement l'économie. Donc, je vous invite à aller voir ce TED qui est assez long, qui est très intéressant de Bill Gates, qui en parlait déjà il y a 5 ans. Donc intéressant. En tout cas, si je regarde aujourd'hui, donc ça c'est un graphe qui donne un peu la tendance. Moi, ce qui est intéressant sur le corona, c'est regarder surtout la forme des courbes. Donc ce sont des courbes logarithmiques, attention. L'intérêt des courbes logarithmiques, c'est de voir différentes échelles. Donc ça permet de voir la Corée et les États-Unis sur une même échelle. Mais ce qui est important, c'est surtout de regarder la tendance des courbes. Et ce qu'on voit aujourd'hui par rapport notamment, si je prends la France, c'est qu'aujourd'hui, le pic sera probablement atteint dans 10 jours. Donc ça veut dire qu'il nous reste potentiellement. Dans 25 jours, on sera au même niveau qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est juste pour réaliser qu'aujourd'hui, on n'est clairement pas à la fin de cette situation. Elle va vraiment nous impacter dans notre travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et on voit clairement que même l'Italie qui a probablement passé son pic, encore, vous voyez, le problème, c'est que cette courbe, elle est absolument pas raide. Elle mettra énormément de temps à réagir. Et donc, par rapport à ça va nous mettre. On va avoir la transition pour revenir à un état normal va prendre des semaines, des mois. Donc certains mêmes États, le New York a déclaré que ça serait pas avant 6 mois d'avoir un état normal. Donc, il faut s'attendre à vraiment un impact qui soit très long. Quelques chiffres encore. Vous avez probablement vu les chiffres du chômage américain. Donc on l'a vu, le chômage américain a explosé en une semaine. Donc plus de 6 millions de demandes, alors que dans les dernières crises, on était maximum à 600 000 par semaine. Donc on a dans les pays qui n'ont pas de protection sociale, clairement les entreprises ont tout de suite licencié leurs employés, ce qui va forcément impacter la demande. La bourse a chuté, donc à chaque fois qu'il y a un crack boursier, on voit cette personne. Je la soupçonne d'être un acteur, parce qu'à chaque fois, on voit toujours cette photo. En tout cas, les bourses se sont effondrées et je pense que c'est pas terminé. Donc c'est vraiment intéressant de, ça sera vraiment intéressant de voir. En tout cas, personnellement, je suis pas un expert en finance, mais moi personnellement, j'attendrai. Ensuite, un point qui est quand même très positif, c'est qu'on parle aussi énormément de la logistique. Donc on a vu dans les journaux, à la télévision, on voit beaucoup de caméras qui vont dans les entrepôts, qui vont nous garantir qu'on va bien avoir des pâtes, qu'on va bien avoir du papier toilette dans nos rayons. Donc je trouve que ça, c'est super positif. Et encore une fois, ceux qui travaillent sur ces chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, je les remercie parce que moi, je suis tranquille chez moi. Pendant ce temps-là, il y en a qui continuent à bosser et c'est grâce à eux qu'on peut continuer à vivre presque normalement et à manger. Donc, merci à vous. Et je pense encore une fois, c'est une formidable opportunité pour remettre en avant ces métiers qui sont souvent cachés et qui sont souvent dans l'ombre. Voilà pour la petite introduction. Donc, maintenant, on va parler des incertitudes d'approvisionnement. Donc, par rapport à ça, ce qui est important, c'est qu'on a démarré par le premier impact a été en Chine. Donc, je vous rappelle, on a reçu des emails de nos fournisseurs en janvier. Pour dire qu'on avait un petit virus. Ce virus, il s'est propagé et on voit qu'on est extrêmement dépendant des importations chinoises. Et donc, par rapport à ça a commencé à impacter nos délais d'approvisionnement.
puisque la Chine a été très rapide pour bloquer pour essayer de minimiser au maximum l'impact, pardon, de ce virus. Donc, par rapport à ça, on a un impact rapide. Et ce qu'on a vu, c'est que la production chinoise, donc c'est l'indicateur que je voulais vous partager la dernière fois, le PMI, donc le Purchasing Manager Index, qui est fait en fait, qui est une étude où on va demander aux responsables achats et approvisionnement de donner leur niveau de confiance par rapport au niveau de flux et d'importation et d'exportation. On voit qu'on a une grosse chute en février et que potentiellement le niveau est revenu en mars. Donc ça, c'est la théorie, mais ce qui est intéressant, c'est que Reuters, qui est une agence indépendante, a fait une autre étude qui montre qu'on n'est pas encore finalement complètement revenu au niveau normal, au niveau de la Chine. Purchasing Management Impact. C'est un indicateur, donc Aurélia, tu me poses la question, c'est un indicateur qui est fait sur 19 industries en Chine et qui montre le niveau, l'activité économique de la Chine sur en tout cas toute la partie industrielle, importation et exportation. OK? En tout cas, je vous montre un autre graphe, ce qui est important. Pourquoi je vous parle de la Chine? Parce que ça va montrer un peu ce qui va se passer en Europe, mais d'une manière beaucoup plus longue. Donc, par rapport à ça, par rapport à la Chine, ce qu'on voit, donc c'est un chiffre qui est assez récent. On voit que ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près 80% de l'activité est revenue à la normale. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore 20% de l'activité qui est impactée en Chine. Donc, potentiellement, le PIB, en tout cas l'activité industrielle, est encore en baisse de 20%. Après plus de 2 mois depuis l'arrivée du virus. Et on voit que dans les régions les plus touchées, on est encore à seulement 30, 25, 30% d'activité normale, ce qui est encore très faible. Et le problème de la Chine, c'est que la Chine a été très vite, et nous, enfin, nous moi je suis en Europe, mais alors la question, quelqu'un me pose la question, est-ce que les chiffres sont vrais en Chine? Donc personnellement, moi j'ai un ami en Chine qui habite à Canton, j'ai appelé récemment, qui s'appelle Pierre. Lui, il gère une usine, et donc lui, il m'a dit clairement en février, il a fait moins 80%, c'était très compliqué. En mars, son activité a quasiment totalement reprise. Le problème de ce qui se passe, donc si je prends l'exemple de mon ami, c'est que en fait, donc la demande chinoise est repartie. Il faut savoir qu'il y avait aussi le nouvel an chinois qui est arrivé en même temps. Donc ce qui est pour moi une chance pour la Chine, c'est que finalement, comme il arrive en même temps, c'était normal aussi d'avoir une baisse d'activité, les personnes n'étaient pas censées travailler. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, donc la Chine est repartie, mais la demande à l'international a fortement baissé, à part sur certains produits comme les masques ou certains produits vraiment urgents. Et donc maintenant, ce qui va impacter la Chine, c'est la demande internationale, notamment des États-Unis et de l'Europe. Donc, je ne sais pas si les chiffres sont vrais. En tout cas, moi, ce que je ressens par des contacts que j'ai là-bas, c'est que ça a vraiment repris beaucoup plus rapidement qu'en Europe. En Europe, on n'a pas été assez réactif. Aujourd'hui, comme on ne maîtrise pas la situation, tout le monde reste chez soi. Et on est obligé de fermer les activités. Donc par rapport à ça, c'est un autre chiffre. Dites-moi si je parle trop vite. Donc ça, c'est un autre chiffre qui est intéressant. C'est que ça vient des États de l'Angleterre, qui a été fait entre le 9 et le 22 mars. Et ce qu'on voit, c'est dans les compagnies qui font de l'import-export, on a à peu près, voilà, 68% des compagnies, on va dire 60% des compagnies qui sont complètement à l'arrêt. Et on en a encore 20% qui sont affectés. Ça veut dire qu'on a à peu près 2 tiers de l'économie qui est à l'arrêt. Sur un pays comme l'Angleterre, on peut facilement extrapoler que ce chiffre est à peu près le même dans les pays en Europe et que ce chiffre va être le même prochainement aux États-Unis. Donc on est vraiment assez impacté. Et voilà, c'est pour ça que je reviens dessus. C'est que voilà, on va probablement encore avoir plusieurs semaines, plusieurs mois comme ça, et il va falloir réagir par rapport à ça. Donc un dernier point avant d'aller sur les plans d'action, c'est aussi, donc on a parlé de l'inbound, donc tout ce qui arrive, par exemple de l'importation, il y en a aussi l'outbound, donc tout ce qui va vers nos clients. Donc, par exemple le e-commerce que vous voyez sur ce graphe-là, on voit que forcément, moi personnellement j'ai commandé sur Amazon, normalement ils me livrent en une journée, et là ça fait 3-4 jours que j'attends, on voit qu'on a 38% des commandes qui sont maintenant livrées de 6 à 10 jours. Donc oui, je répondrai aux questions à la fin. Pour ceux qui me posent des questions maintenant, à part si c'est vraiment un sujet urgent par rapport à la présentation. Donc en tout cas, retenez bien, voilà, on a des impacts en amont avec la Chine qui est en train de se relever, en aval aussi avec les livraisons vers nos clients. Et le problème des livraisons par les clients, c'est que ça nécessite beaucoup plus de main-d'œuvre et donc beaucoup plus de personnes. Aujourd'hui, on sait qu'il est compliqué de travailler, notamment dans les entrepôts, en respectant les règles de sécurité. OK? En conclusion par rapport à ça, moi ce que je vois en tout cas personnellement, c'est qu'on a un rebond plus rapide en Chine, parce qu'ils ont été plus réactifs, et les États-Unis et l'Europe notamment seront beaucoup plus impactés.
avec une réaction qui est trop tardive et un confinement qui va probablement durer plusieurs mois. Bon, ce qu'on voit aussi, donc je vais revenir tout à l'heure sur les masques, on voit aussi une hausse des prix sur certains produits très demandés, notamment sur la Chine. Donc on va parler des masques FP2 et FP3 tout à l'heure. Et par rapport à ça, hop, pardon, par rapport à ça, moi ce que je vous conseille, donc là je vais vous donner des conseils qui sont évidents et c'est pas forcément évident. C'est voilà, la première chose, c'est de mesurer, monitorer vos délais. Je vois encore beaucoup d'entreprises, je vois des personnes que j'accompagne, qui ne mesuraient pas leurs délais avant. Et donc il y a un problème de son. Dites-moi s'il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Non, pas de problème de son. Oui, on t'entend. OK. Merci. Merci de me rassurer. Ouf. C'est bon, merci. Merci, Alison. En tout cas, mon conseil par rapport. Donc, merci, merci. Par rapport au délai, donc, la première chose à faire, c'est toujours pareil, je vais vous le dire à chaque fois, il faut mesurer et monitorer vos délais. La deuxième chose, c'est attention si vous travaillez sur SAP ou dans des outils automatiques. Je vois beaucoup d'entreprises qui ne mettent jamais à jour leur délai. Et donc, ces entreprises-là, bah, il va falloir, elles vont subir complètement, elles vont subir des ruptures si vous ne les mettez pas à jour. Moi, je vois beaucoup de problèmes. Et je vois aussi les entreprises qui mettent automatiquement à jour leur délai par rapport aux dernières commandes. Donc là, faites aussi attention à ne pas avoir des délais moyens qui soient délirants et qui peuvent vous faire exploser vos stocks. Ensuite, clairement, il n'y a pas de secret. Sur la 4G, sur la 4G, je voulais le commentaire 4G, pardon. Il n'y a pas de secret, excusez-moi. Il faut vous focaliser sur vos fournisseurs et vos produits A et B. Donc, c'est vos 20% de vos produits qui font 80% des ventes. Et pareil pour vos fournisseurs. 20% de vos fournisseurs qui font 80% de votre business. Et il faut avoir une communication qui soit la plus rapide et la plus efficace possible avec ces personnes-là. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à faire une classification ABC. C'est vraiment la base. Vous pouvez aller sur mon site et vous pouvez télécharger l'Excel. Et je vous conseille aussi d'augmenter vos délais de sécurité sur vos produits A et B et X. Donc, X, c'est quoi? J'en reparlais tout à l'heure. Ce sont les produits qui sont stables. Donc, ce que je vous conseille, effectivement, c'est de n'augmenter les délais de sécurité que sur les produits que vous êtes certain de vendre. Qui sont relativement stables encore et qui ont une forte marge. Le problème, c'est que Xavier répond, oui, les fournisseurs ont du mal à donner des délais. Ben oui, les fournisseurs ont du mal à donner des délais. Donc moi, personnellement, quand j'ai pas de visibilité, je prends pas de risque. Je me focalise sur 20% de mes produits où là, je vais volontairement augmenter mon stock de sécurité et mes délais de sécurité. Et sur le reste, je vais baisser pour pas non plus subir et avoir beaucoup trop de stock. Donc il n'y a pas de secret, je peux pas vous donner une formule magique. Là, c'est vraiment du cas par cas et je vous invite à en faire autant. Conseil, les fournisseurs, voilà. Conseil à moyen terme, ce que je vous conseille, c'est d'automatiser vos interfaces pour récupérer les délais. Donc, moi, personnellement, dans mes précédentes expériences, j'avais des personnes qui passaient leur journée à aller sur Kuehne+Nagel, mettre à jour les délais sur SAP. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est à moyen terme, pour moi, c'est pas possible de gérer des délais à la main. Donc, les EDD ou les CDD, donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais en tout cas, je vous invite vraiment à automatiser vos interfaces entre vos différents prestataires outils si vous êtes assez gros, diversifier pardon, vos fournisseurs, et sur le moyen long terme, on va avoir une tendance à relocaliser certaines industries stratégiques pour limiter ces risques, donc diversification des fournisseurs. Et dans certains cas, certaines industries vont essayer de se rapprocher, surtout sur les très grands groupes, qui vont vouloir vraiment minimiser ce risque. En tout cas, ce que je vous invite, c'est d'avoir une approche qui soit la plus coût complet. Donc, ça veut dire, vous pouvez potentiellement payer plus sur le prix d'achat, mais si vous gagnez en flexibilité, par exemple, vous allez gagner fortement sur votre stock. Donc, l'exemple que je redonnerai tout à l'heure, entre un H&M qui commande tout 6 à 12 mois avant, donc H&M sur le textile, et Zara, qui a un délai d'appro très, très rapide, je suis convaincu que Zara aura beaucoup moins de problèmes de stock que H&M sur ses prochaines semaines, sur ses prochains mois. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'approvisionnement. Pas beaucoup de solutions concrètes, parce qu'aujourd'hui, on a encore un manque de visibilité. Par rapport à la demande, donc par rapport à la demande, donc on a une très grosse incertitude sur la demande. Ce que je vous invite après cette vidéo, c'est d'aller voir cette vidéo YouTube qui est vraiment très intéressante sur pourquoi on l'a pas vu venir. Et donc en gros, ce qu'explique Stan Leloup dans cette vidéo, c'est qu'en fait on a tous sous-estimé le risque parce que personne ne réagissait autour de nous. Et du jour au lendemain, on a eu une annonce du gouvernement qui nous a dit bon, on ferme les frontières ou on est tous en quarantaine. Et ça a un peu créé un sentiment de panique. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo qui est vraiment très intéressante, ce qui explique pourquoi
on l'a pas vu venir. Et ça a créé, voilà, donc on a eu des scènes de papier toilette. Donc moi, je vivais en Australie l'année dernière et je confirme que mes amis n'ont plus de papier toilette. C'est très compliqué là-bas, mais c'est un des seuls pays où on a des problèmes. Je le redis, comme on est un mouvement de panique, on a aussi beaucoup d'entreprises, notamment aux États-Unis, qui ont très rapidement licencié des personnes. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller sur Google Trends pour voir quelques exemples. Hop. OK. Donc, je parlais tout à l'heure, vous êtes encore avec moi? OK. Donc, ce que je vous invite pour votre business, c'est d'aller faire un tour sur Google Trends. Donc, Google Trends, c'est quoi? Pardon. C'est un outil qui va regarder les volumes de recherche sur Google. Et moi, je l'utilise énormément pour regarder en fait les tendances qu'on a sur le marché. Et donc, si vous tapez par exemple toilet paper, qui est papier toilette au niveau mondial, vous allez voir qu'il y a un énorme pic de recherche sur le toilet paper. Et on peut aussi voir les pays qui sont les plus impactés. Et comme par hasard, les pays qui ont des vraies ruptures aujourd'hui sont qui est l'Australie, que je confirme qu'on a des vrais problèmes d'approvisionnement. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil va nous montrer un comportement de consommation futur qu'on va avoir sur nos vrais produits. Donc, si je prends d'autres exemples, on va mettre par exemple les masques. Donc, on pourrait mettre les masques antivirus, mais les masques, on a plus de volume. On voit qu'on a une explosion du trafic, en tout cas de la recherche sur Internet, ce qui nous donne un peu une saisonnalité par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez qu'on avait très peu de recherche sur ce mot, les masques. Et du jour au lendemain, quand on a commencé à voir le virus, on a une explosion de cette demande. Donc, je vous ai mis ici, j'en ai mis plusieurs pour en comparer plusieurs. Je vous ai mis le papier toilette, je vous ai mis les masques, je vous ai mis les pâtes et je vous ai mis les chaussures. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'échelle. Donc, par exemple, si je regarde les pâtes, on était en moyenne à 28. Ce qui est important, donc, excusez-moi, je vais un peu vite. Ce chiffre, en fait, c'est quoi? C'est la part de recherche par rapport au volume de recherche global, est-ce que sa part augmente? Donc, quand vous allez voir par exemple que les pâtes en moyenne avaient un indice de 24 et qu'elles passent à 39, vous avez une augmentation sur le volume de recherche qui est d'environ 60-70%. Donc, ça veut dire que potentiellement, par rapport à ce volume de recherche, on pourrait estimer que la demande de pâtes a potentiellement aussi augmenté autour de 60-70%. Donc ça, c'est un outil qui peut être assez intéressant pour voir des tendances. On voit que le masque a explosé, il est parti de 1 à 35, donc potentiellement les ventes ont été multipliées par 35, voire même, je pense, beaucoup plus, puisque l'échelle n'est pas très bonne. D'un autre côté, on voit que les chaussures, donc là, je suis dans des produits de grande consommation encore une fois, là, les gens pensent moins à acheter des chaussures en ce moment, forcément. Donc on est passé d'un niveau de 73 à maintenant on est à 38, donc les gens sont deux fois moins intéressés à regarder le mot chaussures sur Internet. Donc potentiellement, je pense que les ventes de chaussures, déjà que le retail est complètement fermé, donc les magasins sont fermés, mais même sur Internet, je ne pense pas que beaucoup de personnes sont en train d'essayer de regarder pour acheter des chaussures en ce moment. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je vous invite à le faire pour votre industrie. Alors forcément, si vous êtes en B2B, donc si vous êtes une entreprise qui vend à d'autres entreprises, ce que je vous conseille, c'est de regarder les produits de vos clients pour voir les tendances, et ça peut vraiment vous donner un impact sur OK, quel va être l'impact de ma demande. Un autre exemple intéressant, donc j'ai quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce qui va se passer pour le marché automobile. Donc je ne suis pas sûr de ce qui va se passer, mais en tout cas, ça ne sent pas bon. On voit ces 5 dernières années que c'est relativement stable. On voit qu'il y a un pic. Généralement, alors là j'ai pris la France, vous pouvez choisir votre pays. Généralement, on a un pic qui est à la fin de l'été où les gens commencent à réfléchir à leur nouvelle voiture pour la rentrée scolaire. Et là, on voit que voilà, ça s'est divisé. On était autour de 85, 90, et maintenant on est à 50. Donc clairement, on a divisé par deux le volume a été divisé par deux, et clairement, les ventes de voitures ces prochains mois va être au moins divisé par deux, voire plus. Et donc, c'est un outil qui est encore une fois très intéressant. Si je devais travailler dans l'industrie automobile, clairement, je réduirais facilement mes prévisions par deux les prochains mois, à part si une mesure gouvernementale incite les gens à acheter des voitures pour pas cher. Mais clairement, moi, l'automobile, ça va être très compliqué pour moi ces prochains mois, voire ces prochaines années. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Alors, je vais regarder les
Est-ce que vous voulez qu'on regarde d'autres domaines? On en profite. Aéronautique, ça va être un peu compliqué. Je pense que c'est pas. Les gens ne vont pas chercher à acheter une fusée sur Internet. Automobile Espagne, donc Nicolas, on en parlait un peu au téléphone. L'automobile Espagne, voilà, on va laisser passer un peu le temps. Après, il y a certaines aussi effets de relocalisation. Certaines usines vont être relocalisées ou certaines productions vont être récupérées de différentes régions. Donc, il y aura forcément quelques opportunités, mais dans sa globalité, ça va. Je pense que les volumes vont baisser fortement ces prochains mois. L'agroalimentaire. Donc, l'agroalimentaire, je vois Godefroy qui est en France. Quand on regarde les supermarchés, on a l'impression que les supermarchés font un carton. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de ventes en volume. Après, je ne pense pas que ce soit des produits à forte marge. Donc, j'en discute un peu avec des amis de la distribution. Et on a quelques personnes de Carrefour, Amazon aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vend des produits pas chers. Papier toilette, les pâtes premier prix, c'est des produits qui n'ont quasiment pas de marge, voire pas du tout. Et donc oui, c'est intéressant de vendre ces produits-là, mais en attendant, on ne vend plus les produits second prix, troisième prix à forte marge. Donc même, je pense, même l'agroalimentaire, je pense, va souffrir parce qu'elle ne vend pas les produits à haute valeur ajoutée, elle vend vraiment des produits basiques. Ces produits, les personnes vont devoir les manger, donc ils vont forcément consommer différemment. Et voilà, donc je pense que ça ne va pas être évident. Et en plus, d'un point de vue humain, je pense qu'il est très compliqué de maintenir un niveau de service important avec les règles sanitaires pour limiter les contacts entre les humains. Donc, encore peut-être un ou deux exemples. Des chaussures en papier toilette. C'est une bonne idée, les chaussures en papier toilette. Les produits pour bébé. Donc les produits pour bébé, bon, regardez. Hein. Je ne sais pas s'il y aura assez de volume. Regardez. Ah, ça ne marche pas. Voilà, produit pour bébé, c'est un accessoire bébé. Du live, hein? C'est du live. C'est du live. Vous pourrez essayer de votre côté après. Ah, on va essayer les couches bébé. Après, le problème, c'est que Google, il va croire que j'ai un bébé. Ah, j'aurai des pubs pour bébé. Je pense que les couches pour bébé, c'est un peu comme le papier toilette. Moi, si j'étais papa, je ne suis pas. Mais j'aurais peur pour mon enfant qu'il n'ait pas de couche. Donc j'en achèterais plein pour lui. Donc oui, on voit une légère augmentation. Ce n'est pas très marqué. Mais je pense que voilà, les couches pour bébé, ça va augmenter de 20-30%. Après, pour moi, ce qui est important, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous allez avoir un report des ventes ou est-ce que vous allez avoir des ventes. Vous allez avoir des ventes supplémentaires. Donc pour moi, par exemple, le papier toilette, c'est un bon exemple. Le papier toilette, on va le remettre dessus. Toilet paper. Je vais mettre au niveau monde parce que c'est plus intéressant. On a plus de données. Sur les petits pays, à mon avis, ça ne marchera pas très bien. Voilà. Toilet paper, on a un énorme pic. Donc est-ce que vous allez aller plus aux toilettes? Je ne pense pas. Je pense que vous allez même consommer un peu moins. Ce que vous allez dire, peut-être que je dois faire attention, que je vais commencer à compter les feuilles. Pour les pays qui utilisent du papier toilette, parce que je sais qu'il y a des pays qui n'utilisent pas de papier toilette, et ils ont bien raison en ce moment. En tout cas, pour le papier toilette, je pense que la consommation finale ne va pas augmenter, donc on va avoir un décalage des ventes. Ce qui va par contre changer, c'est que le mode de distribution a changé. Donc clairement, pour les personnes qui travaillent, vous n'allez plus aller aux toilettes dans votre entreprise. Vous allez aller aux toilettes chez vous. Donc, je pense que les supermarchés vont vendre plus de papier toilette. Par contre, toutes les grandes surfaces qui livrent les entreprises, les restaurants, etc., vont vendre beaucoup moins. Donc, à la fin, la demande totale va être la même sur le long terme, mais les canaux de distribution vont changer. Donc, par rapport, si vous livrez tout type de clients, vous n'aurez pas trop d'impact sur la demande au niveau global. Par contre, si vous ne livrez que les entreprises, vous allez être fortement impacté. Si vous livrez que les particuliers, normalement, vous devrez vendre plus. Papier toilette en tissu. Pourquoi pas? Ok, donc voilà pour les exemples. J'espère que c'est clair. Je vous invite à aller voir cet outil. Donc, ça s'appelle Google Trends. Tac. Voilà.
Voilà, un dernier point aussi par rapport au prix et la demande, parce que ce qui est important, c'est la variation de la demande et la variation du prix. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que vous avez certaines industries qui n'ont pas pu augmenter leur prix. Et clairement, enfin, je trouve que c'est tout à fait normal, on ne va pas augmenter les prix sur les produits de nécessité, mais c'est un vrai problème pour la demande, c'est que si vous avez beaucoup trop de demandes et que vous ne pouvez pas faire varier les prix, mais clairement, vous allez tomber en rupture. Et donc, on le voit ici sur les chiffres de mars, par exemple en France, que visiblement, les prix n'auraient pas augmenté dans les grandes surfaces. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Daniel Ducrot via Michel-Édouard Leclerc, qui est le président d'un grand groupe de distribution en France. Un dernier point que je voulais souligner par rapport à la demande, avant de passer à la suite, c'est de faire très attention à ce qu'on appelle le bullwhip effect. C'est qu'on a, en fait, ce que je vous rappelle sur le bullwhip effect, donc je ferai sûrement une vidéo à ce sujet-là. C'est qu'une petite variation au niveau client peut avoir une très grosse variation au niveau usine. Donc en fait, ce qu'on appelle, c'est l'effet bullwhip ou l'effet lacet, je sais plus trop comment on dit. Mais le gros problème qu'on est en train d'avoir ici, c'est qu'on a une très forte variation. Coup de fouet, c'est ça. Merci Louis. L'effet coup de fouet. Et donc par rapport à ça, je pense que si vous êtes du côté production, vous le vivez aujourd'hui, c'est qu'on a une très forte variation de la demande, haute ou basse. Ce qui a très fortement fait varier le calcul de nos besoins, de nos entrepôts, de nos usines et aussi de nos fournisseurs pour les composants. Et ça, c'est vraiment un point qui est très compliqué à gérer. Et par rapport à ça, j'ai vraiment un conseil à vous donner qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, si vous vous situez plutôt dans la partie distribution et production, c'est d'essayer au maximum d'aller récupérer vraiment ce qui se passe chez vos clients. Et de reprendre des prévisions, repartir sur des prévisions très simples par rapport à la vraie demande de vos clients. Donc, il y a eu des cas très intéressants qui ont été faits, notamment avec Barilla. Barilla qui a des consommations de pâtes qui sont extrêmement stables, notamment en Italie. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que même si les Italiens mangeaient des pâtes tous les jours de manière très stable, donc quand on regardait les commandes dans les usines, on avait des variations qui étaient très importantes. Et en fait, la solution par rapport à ça à l'époque, c'est que Barilla avait dit, on va essayer d'aller récupérer directement les ventes de tous les magasins qui vendent nos pâtes pour voir en fait cette demande. Et ensuite, ils ont calé leur plan de production par rapport à la demande du client final. Et donc aujourd'hui, en situation de crise, je vous invite vraiment à demander à vos clients de vous partager les informations pour leur garantir la disponibilité. Et moi, clairement, quand je livrais des supermarchés, quand je vendais des cosmétiques, je payais des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir avoir accès aux historiques de vente de mes clients finaux, donc de mes supermarchés. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne si vous voulez vraiment. Pour moi, la visibilité sera fondamentale pour passer cette crise et pouvoir à la fois freiner et accélérer dans un bon timing. OK? Donc, pour conclure, je parle beaucoup. J'espère que je ne vais pas exploser le timing. Voilà. Donc, comment améliorer ses prévisions? Donc, on a une très forte volatilité incertitude, on a une variation des prix, on a des répartitions des ventes qui changent entre le B2C, donc le client final et les entreprises, et entre le e-commerce et le retail, la distribution. Donc, moi, mon conseil à court terme, c'est déjà de mesurer votre fiabilité de prévision. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui n'ont pas de prévision, qui ne se basent que sur des historiques, donc faites attention. Deuxièmement, qui n'ont pas d'indicateurs par rapport à ces prévisions. Donc, je vous conseille d'aller voir, j'ai une vidéo sur les 10 indicateurs indispensables, j'en parle. Ensuite, il va falloir réagir extrêmement vite. Je pense que là, j'espère que vous avez forcément déjà réagi. Mais quand vous réagissez, ne perdez pas trop de temps sur les petits produits, réagissez vraiment sur, encore une fois, vos codes A et B, donc les produits qui se vendent le mieux et qui ont aussi les meilleures marges, pour pouvoir vraiment focaliser votre énergie. Je pense qu'on est tous un peu en mode panique. Mais ce qui compte, c'est ce qui se vend. Et tout le reste, si ça tombe en rupture, c'est pas grave. Donc, ou alors, vous voulez vous baisser les prévisions massivement sur le reste. Mais ce que vous devez, c'est garantir l'usage à vos clients ou à vos usines si vous travaillez en usine. Donc, faites attention. Vous pouvez aussi aller voir, alors je pense que ça va être compliqué pour beaucoup de personnes, les historiques des ventes de la dernière crise qui peut donner certains comportements d'achat, certains produits qui vont plus se vendre, certains produits qui vont moins se vendre. En tout cas, voilà, je ne pense pas que vous avez beaucoup d'entreprises qui ont aujourd'hui plus de 10 ans d'historique, mais je vous invite à essayer de regarder ou peut-être d'aller voir des historiques d'autres concurrents ou peut-être sur Internet certaines études. Posez-vous la question, est-ce que j'ai un report des ventes ou est-ce que c'est une perte sèche? Clairement, si vous travaillez dans le textile, par exemple, la collection printemps, ça va être compliqué. Pour moi, c'est une perte sèche. Les restaurants, c'est une perte sèche. Les gens vont pas aller 5 fois plus au resto en juillet ou en août. Donc là, pour moi, il faut vraiment venir supprimer cette demande.
Et dans certains cas, par exemple, si vous faites de la maintenance ou dans certains cas qui sont beaucoup plus récurrents, si vous avez un décalage, il faut absolument décaler cette demande. Et par rapport aux prévisions, moi, je vous invite à regarder peut-être les prévisions de propagation du virus et un peu d'inverser cette courbe qui est ici. C'est-à-dire que plus vous aurez du nombre de cas, plus votre activité sera impactée. Donc, vous allez faire un moins la valeur de la courbe pour vous donner un peu d'impact. Il n'y a pas de formule magique, mais je vous conseille en tout cas d'être assez prudent. Je vous conseille aussi de redessiner vos saisonnalités pour cette année. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un rythme de vente. Donc, OK, par exemple, mes voitures. Mon rythme de vente, il est impacté 50%. Donc, ma vente moyenne, si je vendais 1000 voitures par jour, je passe à 500. Et ensuite, je vais redessiner à la main une saisonnalité qui va probablement, qui est encore en train de baisser, qui va probablement remonter ensuite ces prochains mois. Donc ça, je ferai peut-être des vidéos vraiment spécifiques à ça. Je ne pourrais pas vous donner beaucoup plus d'exemples, sinon je vais exploser le timing. Mais je vous conseille de reprendre les choses très simplement, un rythme de vente et une saisonnalité. OK? Donc redessinez vos saisonnalités et les B2B, donc tout ce qui est industrie et les entreprises qui vendent à leurs clients. Je vous invite encore une fois à accéder aux ventes de vos clients. Je pense qu'on est vraiment en situation de crise et je pense qu'on est tous là pour s'entraider. Donc je pense que ce sera beaucoup plus facile d'accéder à ces informations-là. Et à moyen terme, conseil à moyen terme, c'est d'automatiser vos prévisions. Si vous avez bien fait les choses, on voit qu'il y a quelqu'un d'Amazon dans ce call-là. Voilà, Amazon, ils ont des outils qui sont complètement automatiques. Donc, dès qu'il y a une tendance qui est repérée, les prévisions vont baisser très rapidement, ce qui va permettre d'être très réactif et donc de ne pas subir ce surstock ou ces pénuries. Donc, ça, c'est vraiment la clé. Vous pouvez commencer sur Excel et ensuite, vous pouvez basculer sur un logiciel. Ce sont des projets qui prennent du temps, mais qui sont extrêmement rentables, même si vous êtes sur SAP. Voilà. OK, bon voilà pour la demande. J'étais un peu long, je pense que je vais et gérer les horizons du MRP, tout à fait. Donc, c'est une très bonne remarque de Dominique. Les horizons de MRP, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il faut bien sûr revoir ces horizons. C'est la durée sur laquelle vous pouvez venir changer la demande et passer les commandes. Très, très important. Voilà, OK, je prends une petite pause. Vous n'avez toujours pas de thé? Non? OK, gestion de la pénurie, concrètement. Concrètement, il y a des problèmes de pénurie. On en a déjà parlé tout à l'heure. Je vais prendre un exemple de Constance. Est-ce que Constance est là? On s'est parlé au téléphone. Donc, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, on a discuté non pas au téléphone, par email. Et donc, Constance m'a remonté un exemple de rupture de masque. Pardon, on a tous s'améliorer quand même, vous sentez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Constance importe et distribue des masques FPP2 et FPP3. Et en gros, elle a rupture depuis janvier, approvisionnement depuis la Chine, et son fournisseur lui annonce une augmentation des prix de 200%, avec une marge qui devient extrêmement faible, très compliqué d'augmenter les prix aussi. Et donc, la question, c'est est-ce que j'achète ou est-ce que j'attends? Donc, c'est une bonne question. Moi, personnellement, j'aimerais bien aussi avoir un masque FPP3. Mais clairement, les questions à te poser, je pense que vous avez tous peut-être ce genre de cas, pour ceux qui ont des ruptures. La première question à te poser, c'est la demande. Est-ce que la demande va continuer à augmenter ces prochaines semaines? Et clairement, moi, je pense que oui. Sur les masques, on le voit, on a les particuliers qui en veulent tous, on a les entreprises qui vont devoir être à un moment obligées d'avoir des stocks de sécurité sur les masques pour pouvoir garantir l'activité. Donc moi, je suis convaincu que les masques et tous les produits autour de ça, je vais en reparler tout à l'heure, on va avoir une nouvelle industrie qui va être créée autour de ça. Donc je pense que la demande va être durable. En plus, on a maintenant les États-Unis qui demandent énormément de produits. Donc moi, je n'aurais pas trop de doute sur la demande, parce que ça va devenir, je pense, obligatoire quasiment toutes les entreprises d'avoir un stock de masques. Donc on a déjà un retard accumulé. On le voit notamment, on a des personnes qui rentrent en grève par rapport à... On a des personnes qui rentrent, des entreprises qui ne peuvent pas garantir des masques toutes les 4 heures, par mesure de sécurité. Et donc, on commence à avoir des grèves autour de ça. Et donc, on a un besoin qui va être considérable. Est-ce qu'on va avoir une régulation des prix, demande Xavier. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert sur les régulations. En tout cas, la demande va être là. La vraie question, c'est est-ce qu'il est sain de produire ces masques-là? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas, en fait, je n'en sais rien. Donc, est-ce qu'il est facile de réallouer des capacités de production industrielle d'autres produits sur ce produit-là? Première question.
Quels vont être les délais par rapport à ces produits-là? Quelles vont être les marges? Donc, tu me dis qu'on sent que tes marges sont extrêmement faibles. Et aussi, quel va être le coût du stock et le risque du coût du stock? Donc, je ne sais pas si ces produits sont périmables ou pas. Je ne suis pas du tout un expert sur ce sujet-là. Mais en fait, ce sont toutes ces variables-là que tu dois prendre en compte pour prendre ta décision. Aujourd'hui, tu as une vraie opportunité sur les quantités. Par contre, sur ta marge, tu as un gros risque si du jour au lendemain, on a énormément de produits qui arrivent sur le marché, si les prix sont régulés et si tes clients disent bah non, bah toi, tu es trop cher, donc moi, je vais voir ailleurs. Donc, moi, ce que je te conseille, Constance, on avait déjà un petit peu parlé, c'est de calculer différents scénarios. Pour moi, ce n'est pas forcément 0% ou 100% de la demande. Je pense qu'il y a un scénario à trouver entre les deux. Et pour ça, il faut estimer le coût du risque et la probabilité que ça va arriver. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très délicat. En tout cas, ce que je te conseille, Constance, c'est de le partager un maximum avec ta direction pour que ce soit une décision qui soit partagée par tout le monde et pas seulement par toi, parce qu'à la fin, ça aura un impact économique important pour l'entreprise. Mais pour moi, voilà, si, sur ce cas précis, je ne prendrai pas toute la demande et surtout, ce que j'essaierai de faire, c'est de verrouiller mes commandes fermes avec mes clients. C'est-à-dire que tu vas prendre à ce prix-là et tu vas déjà garantir à tes clients, voilà, je peux vous les garantir à telle date, par contre c'est à tel prix et j'ai besoin d'une commande ferme. Donc, si tu n'as pas ça, ça peut être effectivement dangereux avec cette augmentation de 100%. Donc c'est un cas intéressant, je pense que vous en avez beaucoup. En tout cas, les 11 conseils que j'ai pour gérer la pénurie, donc j'ai fait différents outils et vidéos à ce sujet. Le premier, c'est de mesurer sa pénurie. Donc, j'espère que vous avez un indicateur qui s'appelle taux de disponibilité si vous êtes en magasin, en e-commerce ou un taux de service si vous êtes plutôt en B2B. Donc ça, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas ça, ben, ça va être compliqué. Donc, on peut le voir visuellement, mais c'est très compliqué. Donc allez voir ma vidéo YouTube sur les 10 indicateurs, j'en parle rapidement. Ça, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas faire grand-chose. Deuxième point, c'est de classer encore une fois vos produits. Donc je répète souvent des choses qui sont très basiques, mais qui sont très importantes. Donc, classez vos produits ABC, donc vous pouvez télécharger mon Excel. Et moi, ce que je vous conseille, c'est aussi de classer vos produits XYZ. Donc, je vous conseille d'avoir ma vidéo qui parle de ça sur YouTube et sur mon site aussi. Et l'idée, encore une fois, c'est de venir classer les produits. Donc, vous avez des fortes ventes, mais qui sont très volatiles, très vola qui ont beaucoup de volatilité, peu de volatilité et une moyenne volatilité. Donc, ça va vraiment dépendre du niveau d'incertitude. Et en fonction de ces produits-là, vous allez plus ou moins gérer le risque et la pénurie. Donc, ce que je vous conseille en tout cas, c'est de vous focaliser encore une fois sur les produits les plus importants, ne pas perdre de temps et d'énergie sur les produits qui ne se vendent pas. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ce qu'on peut voir, c'est que les clients sont aussi moins exigeants. Voilà, moi, j'ai fait un live YouTube jeudi. Ça n'a pas marché. Bah, clairement, je me suis pas fait. Les gens comprennent qu'en ce moment la situation est un peu exceptionnelle. Et donc, je pense que quand vous allez au supermarché aussi, vous voyez que vous n'avez pas vos pâtes avec vegan, avec un arôme de carotte. C'est pas grave parce que voilà, les clients ont clairement moins d'exigence. Donc, soyez vraiment focalisés sur vos produits qui se vendent le plus. Oui, l'analyse XYZ n'est pas évidente sur la visserie, ça dépend surtout de vos volumes de vente. Donc, sinon, Julien, tu peux rester simple, tu restes sur tes meilleures ventes et tu rajoutes la marge pour se focaliser aussi sur tes produits qui ont plus de marge. Ensuite, supprimer les promotions. Évident, mais j'ai vu encore beaucoup d'entreprises ont été trop lentes à réagir, donc retirer les promotions pour essayer de vendre le moins possible de produits qui ont un risque de pénurie. Et donc, pour savoir si vous avez un risque de pénurie, vous devez mesurer votre couverture de stock futur, combien de stock, de jours de stock il vous reste par rapport à votre prévision de vente. Donc, vous devez aussi avoir une prévision de vente pour pouvoir estimer ça. OK? Ensuite, augmenter les prix. Donc, si éthiquement possible, clairement, c'est une. Voilà, il y a des cas clairement qui sont pas possibles. Donc, je pense que c'est compliqué aujourd'hui d'augmenter les prix sur les pâtes, le papier toilette ou les produits qui sont en tout cas très visibles. Après, clairement, si vraiment vous avez une augmentation de prix de vos fournisseurs, je pense que, en tout cas, il faut être transparent avec vos clients. Il faut pas la jouer trop opportuniste, parce que je pense que si vous la jouez trop opportuniste, vous allez le payer aussi sur le long terme. Et je pense que si vous subissez des hausses de prix, il faut les proposer. Et si vraiment vous êtes en rupture et que vous n'avez pas le choix, mais dans certains cas, je pense que vous pouvez augmenter les prix. Donc ça, c'est vraiment une politique aussi commerciale que vous devez avoir. Donc ça, j'ai pas d'avis, ça dépend vraiment au cas par cas.
Donc augmenter les prix, réduire son offre. Donc par rapport à ça, c'est vendre moins de produits. Donc j'avais un exemple de Gérard, donc on s'était parlé cette semaine. Et donc moi je connais bien les cosmétiques aussi. Bon, par exemple, on va prendre un rouge à lèvres. Donc je fabriquais des rouges à lèvres. Et donc quand vous fabriquez des rouges à lèvres, automatiquement, dans SAP, 10% des composants allaient être assignés à des testeurs, donc des produits pour tester. Et donc, par rapport, donc le rouge à lèvres, ce n'était pas forcément un bon exemple. Le mascara, par exemple. Voilà. Et donc, 10% des composants allaient sur des produits des testeurs. Et ce que je vois, c'est que Gérard, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas désactivé la fabrication des testeurs. Et donc, ils continuent à louer 10% de leurs composants sur des produits qui ne sont pas fondamentaux. Et donc, par rapport à ça, ce que je vous dis, c'est d'essayer d'avoir le moins de produits possible. Si vous produisez des produits finis, vous n'avez pas assez de composants, réduisez la production, réduisez le nombre de produits que vous allez produire en produit fini pour pouvoir limiter un maximum la rupture. Je trouve que c'était un bon exemple que m'avait reporté Gérard. Et donc, grâce à ça, ils ont économisé 10-15% de leurs composants simplement en réduisant leur offre. C'est un très bon exemple. Ensuite, bloquer les commandes manuelles. Donc, je vois, on a beaucoup de mouvements de panique et on a beaucoup de magasins, d'entrepôts qui passent des commandes à la main et donc qui commandent 100 fois les besoins pour être sûr d'en avoir. Le problème, c'est que comme tout le monde fait ça, on a des problèmes de répartition de stock que je connais bien. Et donc, on a des ruptures. Donc, ce que je vous conseille, moi, si vous êtes en centrale, c'est de venir bloquer les commandes manuelles et de faire un appro qui est uniquement tiré par les ventes ou qui est alloué par des règles automatiques. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Je vais en parler juste après. Centraliser les stocks. Donc, un autre exemple, quand vous n'avez pas assez de stock, il ne faut pas le stocker dans différents endroits parce que vous avez des problèmes de répartition, des problèmes de minimum de commandes, des problèmes d'unité d'envoi. Donc, je vous conseille vraiment, si vous avez plusieurs entrepôts ou plusieurs usines, de recentraliser ce stock et pour pouvoir l'allouer plus facilement et ne pas avoir de déperdition. Et privilégier ses gros clients. Donc, ça peut choquer certains ici, mais clairement, votre probabilité de vendre est plus forte sur des gros clients. Par exemple, si vous avez des magasins, moi, clairement, statistiquement, vous avez plus de chances de vendre votre stock sur un gros magasin qu'un petit magasin. Et donc, si vous devez réduire, vous devez en majorité privilégier vos gros clients. Donc, ça peut être un ratio en pourcentage pour pas être 0 ou 100, mais vous aurez plus de chances de vendre plus à la fin aussi. Vos plus gros clients rentables. Produits de substitution, donc si vous pouvez donc proposer différents produits, donc on avait vu FPP2, FPP3, donc je pense que là, dans ce cas-là, on a plus du tout stock. Quelqu'un parlait des papiers toilettes en tissu, pourquoi pas? C'est une solution. Mais en tout cas, réfléchissez si vous n'avez pas des produits de substitution. En tout cas, mon dernier conseil par rapport à la pénurie, c'est d'être transparent avec vos clients le plus rapidement possible, avec votre équipe et avec vos services. Et de définir des règles qui sont très claires et partagées et validées par tout le monde. Je pense que ça doit être vraiment très clair. Si à un moment vous devez privilégier tel ou tel client ou tel ou tel produit, ça doit être validé pas seulement par vous, mais par l'ensemble de l'entreprise. Sinon, ça va vous retomber dessus. Donc vraiment, soyez transparent. Et si vous êtes transparent, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend la situation actuelle. Donc voilà, je vous invite à aller voir quelques outils sur mon site si ça vous intéresse. Voilà pour les pénuries. Dis donc, je parle beaucoup. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On est combien? Ah si, on est encore pas mal. Merci, ça me fait plaisir de voir autant de monde. Merci pour vos commentaires. Pénurie versus transport. Merci, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Merci, on te suit. Ok, j'ai plus de voix. Bon, c'est pas grave. Gestion des surstocks. On a parlé des pénuries, maintenant on parle des surstocks. C'est parti, on se détend. Voilà, les surstocks. Donc, on a encore des surstocks. Vous voulez voir ma tête ou vous voulez plus voir ma tête? Parce que je peux mettre que l'écran si vous voulez. Vous voulez voir ma tête fatiguée ou... Non? Ok. On veut voir ta tête. Ok, vous voulez voir ma tête. Vous pouvez régler la hauteur de ma tête si vous voulez moins la voir, plus la voir. Il faut que je vois plus devant moi aussi. Ok, merci. Restons humains. Merci Pascal, restons humains. Donc, les surstocks. Donc là, on a des petits problèmes de surstock, clairement. Ce qui est intéressant, j'écoutais un podcast hier sur même donc le pétrole s'est cassé la gueule, clairement. J'ai quelques personnes peut-être dans le oil and gaz sur le chat. On aime bien ta tronche, merci Nicolas. Voilà, donc Mehdi, pardon, particulièrement producteur de gaz. Voilà, donc les cours ont baissé. Et ce qui est intéressant, ce qui est triste, c'est qu'on a plus de place pour mettre le pétrole. Bon, ce que j'ai vu, donc j'écoutais
un podcast qui disait qu'en gros, la surproduction de pétrole était entre 15 et 24 millions de barils par jour et qu'on avait dans le monde en disponible 1 milliard de barils de capacité de stockage, 1 milliard de barils par jour. Donc, c'est la merde. Ils ne savent plus où mettre leur pétrole et donc maintenant ils le mettent dans des tankers pour essayer d'avoir de la place. Mais donc, l'estimation, c'était dans 40 jours, on ne sait plus où mettre le pétrole. Donc, moi, ma crainte, c'est qu'ils commencent à le brûler. Donc, je sais qu'ils vont aussi. Donc, on a plein de débats. Je ne vais pas rentrer dans un débat entre la Russie et l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, on a des problèmes de gestion de stock, pas seulement dans les produits finis, mais aussi dans les matières premières qui ont des vrais problèmes de capacité de stockage. Je ne me rappelle plus le nom du podcast. En tout cas, j'essaie de le partager après. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, donc j'avais fait une vidéo il y a un an sur comment se préparer à la prochaine crise. Et vous pouvez aller la voir si vous voulez. Donc, elle est plus trop d'actualité parce que maintenant on est dans la crise, mais les principes restent les mêmes, quelle que soit la crise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez différents types d'entreprises. Vous avez les entreprises qui avaient déjà une mauvaise gestion de stock avant la crise et qui avaient trop de stock et qui en plus ont réagi trop tardivement. Et donc ces entreprises ont géré un stock qui sera considérable. Je vais remettre ça. Voilà. Et en plus, ces entreprises, comme elles vont réagir trop tardivement, elles vont ensuite tomber en rupture si elles n'ont pas fait faillite. Donc, c'est un peu la double sentence. Et de l'autre, vous avez les entreprises qui avaient une gestion saine. Donc, voilà, par exemple, moi, je pense à Amazon qui a toujours très bien géré ses stocks et ses délais de paiement. Peu de stocks avant la crise, en tout cas, en nombre de jours. Réaction très rapide sur certains produits et donc sa bonne gestion de stock va lui permettre de réagir vite et de repartir sans être en rupture massive par rapport à la reprise. Donc la reprise, on ne sait pas si elle sera dans 2 mois, 3 mois ou dans 2 ans, mais en tout cas, ce que je vous invite, c'est voilà, là on a déjà passé la crise, donc c'est trop tard. Maintenant, la question, c'est comment, si on regarde dans les étapes, ici on l'a loupé, donc je vous invite pour la prochaine à être plus, en tout cas si vous pouvez, si vous avez les outils pour essayer de réduire un maximum vos niveaux de stock avant. Maintenant, on est dans cette phase-là et je veux juste vous mettre en garde sur des gros risques de rupture. Ce que je vois vraiment, l'erreur classique que je vois par rapport à ça dans les mouvements de panique, moi je l'ai vécu dans mes entreprises aussi, c'est qu'à un moment, quelqu'un va vous dire, bah, Edouard, t'arrêtes, t'achètes plus rien ou tu augmentes tout en fonction des risques de pénurie ou de surstock. Et donc, dans ces cas-là, on fait vraiment des conneries, clairement. Je vous conseille de. Si quelqu'un vient vous voir, votre directeur de marque ou votre patron, vous dit non, non, mais t'achètes plus rien, je vous conseille de peut-être lui proposer de faire une classification en disant, mais ok, j'achète plus rien, sauf ces produits qui sont vraiment vitaux et qui ont très peu de stock aujourd'hui, et inversement. Si on dit non, non, mais faut tout augmenter, c'est la panique, tu dis non, non, on va vraiment acheter que les produits les plus rentables, ce qu'on est sûr de vendre, même si la demande baisse de 50% après. Vraiment, faites vraiment très attention, en tout cas, c'est vraiment des schémas classiques qui vont aussi amener d'énormes opportunités pour ceux qui vont bien gérer la crise et qui vont avoir beaucoup moins de concurrence après. OK, donc en tout cas, mes 11 conseils pour réduire son stock. Donc j'avais fait une vidéo à l'époque, c'est une de mes premières vidéos, donc ne jugez pas la qualité de ma voix et de mon micro, mais j'avais fait une première vidéo sur 10 actions simples pour réduire son stock. On est reparti. Donc là, il y en a 11 et une offerte. La première, c'est de mettre à jour vos prévisions. Donc, soit peut-être que vous n'en avez pas. Donc, je vous invite à commencer à en faire. Vous pouvez faire ça simplement, peut-être juste une prévision par mois ou même annuelle. Mais la base pour réduire ses stocks, c'est de savoir mais combien, qu'est-ce que je vais vendre. Ensuite, mesurer les rotations de stock futur. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est très évident. Je pense que 60% des gens qui m'écoutent l'ont déjà. Mais il faut savoir estimer le nombre de jours futurs de chaque article, pour ensuite avoir un tableau de bord très simple qui dit, ben voilà, sur ces articles-là, j'en ai 50, 60, 100 qui ont plus de 300 jours de stock estimé. Donc là, j'ai un vrai problème. Très simple, hein, mais très important et je vois peu de personnes qui le font. Encore une fois, reclasser vos produits, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur l'incertitude, la marge et les ventes. Et ce qui est important, c'est de, mentalement, je vois des personnes encore du mal avec ça, c'est d'accepter la rupture de stock sur les faibles ventes et potentiellement les faibles marges qui ne sont pas stratégiques. Donc ça, clairement, vous avez tous des objectifs si vous travaillez en supply chain. Oui, il fallait que j'ai 92% de taux de service ou 90% de taux de dispo cette année, sinon je ne serais pas bien évalué fin d'année. Je pense que vos objectifs, vous pouvez les revoir. Et je pense qu'il faut vraiment accepter aujourd'hui, encore une fois, les clients sont moins exigeants. Donc vous devez revoir à la baisse vos objectifs de taux de service et taux de dispo.
Si vous voulez vraiment passer ce cap, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'on va avoir pour 80% des entreprises, c'est qu'on va avoir trop de stock. Et donc, par rapport à ça, vous devez aussi vous focaliser uniquement sur les produits qui comptent. Sur les autres, vous devez massivement réduire votre demande pour ne pas être en situation complexe. Je pense surtout aux produits collection. Donc, si vous travaillez notamment dans, voilà, là, on est plus sur la partie distribution. Si vous avez beaucoup de collections très court terme, par exemple dans le textile, je les réduirai fortement, en tout cas ces prochains mois, pour me focaliser surtout sur des produits permanents. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, donc vous pouvez prendre énormément de risques sur ces produits-là. OK? Vous êtes encore avec moi? OK. Ensuite, une erreur classique que j'ai vue, donc j'accompagne quelques entreprises en ce moment. Et merci, merci, ça me donne la patate. Je vais essayer de tenir. OK, donc un point que j'ai vraiment vu. On tient, merci Dominique. Pour ceux qui avaient prévu 1 heure, je suis désolé, ça va durer un peu plus, donc je vous enverrai le replay. Merci Benjamin, check. Check Eric. OK. Donc, par rapport à ça, une erreur que j'ai vue, donc j'accompagne quelques entreprises, et ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a plein, surtout sur SAP, parce qu'on est quasiment tous sur SAP, c'est qu'il y en a plein qui ont des vieux paramètres d'approvisionnement, donc délai de sécurité, horizon, délai, stock minimum, qui sont là depuis des années, qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été modifiés. Et donc, pendant la crise, c'est surtout un problème que je vois dans les grandes entreprises. Je vois beaucoup d'entreprises comme tout le monde est responsable, mais personne n'est responsable. Eh bien, en fait, personne n'a changé les paramètres alors qu'on sait très bien que la demande va chuter. Donc, par exemple, les stocks de sécurité manuels. Vous aviez par exemple un produit, ah ben moi, je l'en veux tout le temps 10 000. Et clairement, bah, si vous n'avez pas changé ce paramètre et que la demande a été divisée par 4, eh bien, vous en aurez toujours 10 000. Et le système va continuer à commander. Donc ça, ce que je vous conseille, alors ça peut être assez violent, mais c'est de faire une remise à zéro. Des paramètres manuels, pas automatiques, mais manuels, pour venir faire le nettoyage. Je pense que si vous avez du temps, c'est une opportunité pour remettre tout ça à plat. Vos classifications, vos délais de sécurité, vos délais, vos horizons. Donc ça, c'est vraiment la base. Et je le vois encore, j'ai eu un appel cette semaine, ça fait quand même 5 semaines qu'on est au courant que c'est compliqué. Et ils n'ont toujours pas changé leurs paramètres. Et moi, je trouve que c'est vraiment le problème de ces grosses entreprises, c'est qu'à un moment, on est un peu déconnecté de la réalité. Et je pense qu'il faut clairement que les responsabilités soient claires. Moi, en tout cas, ceux qui m'écoutent, je vous conseille de prendre le leadership sur ces sujets-là, parce que sinon, personne ne va le faire et ça va vous coûter très cher à l'entreprise. Donc, je vous invite à le faire. Ça, c'est surtout pour les grandes entreprises. Si vous êtes sur Excel, ben, mettez à jour votre Excel. Okay? À partir de là, c'est compliqué d'optimiser les stocks, effectivement, Aurélio. Ensuite, supprimer les stocks obsolètes dormants. Donc ça, le problème, c'est qu'il fallait le faire avant la crise. Maintenant, donc vous avez différentes options, mais vous pouvez faire des retours fournisseurs en disant, ben non, dans certaines conditions, moi j'avais des stocks consignés avec certaines entreprises, donc je pouvais faire des retours si je ne les vendais pas. Faites-les. Faites des promotions si ce n'est pas trop tard. Ensuite, vous pouvez faire des donations et des destructions. Je vous invite toujours à faire des donations avant des destructions pour essayer de réduire votre stock, votre place. Après, clairement, voilà, à partir du moment où vous êtes dans la donation et la destruction, ce n'est pas vraiment une perte, ça ne va pas améliorer votre trésorerie. Ensuite, réduire son offre produit, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ça paraît évident, mais une des choses les plus faciles pour réduire son stock, c'est d'avoir moins de produits dans son catalogue. Et donc ça, c'est une discussion que vous devez avoir avec le. Donc, soit si vous êtes dirigeant d'entreprise, c'est très bien, vous pouvez prendre la décision. Moi, clairement, en situation de crise, je me reconcentrer sur mes produits essentiels. Donc ça peut être, c'est pas forcément les moins chers, mais c'est les produits essentiels pour mes clients. Et je pense que c'est une décision que vous devez prendre rapidement avec votre production, votre marketing, votre département commercial. Ça dépend encore une fois de la taille de l'entreprise, mais pour moi, c'est fondamental. Bon, si vous vendez que du pétrole, vous vendez que du pétrole, c'est dommage. Mais voilà, pour moi, c'est le point le plus efficace. Je pourrais, mettez à jour ARZ des paramètres, réduire son catalogue produit, réduire ses minimums de commandes fournisseurs. Donc, je pense que tout est négociable en ce moment. La situation est très compliquée. Et donc, par rapport à ça, donc les minimums de commandes, je vous invite toujours à calculer la rotation de stock des minimums de commandes. Si je vois beaucoup d'entreprises qui commandent des produits, le besoin il est de 10 pièces pour 2 mois et le minimum de commandes c'est 100 pièces. Et donc ça, c'est des exemples qui sont vraiment très classiques. Encore une fois, je pense que je vous apprends pas grand-chose là dans cette présentation, mais c'est encore une fois la base. Et je pense que c'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile de négocier en ce moment. Donc renégocier vos minimums de commandes fournisseurs et vos conditionnements. Diminuer vos délais, donc je parlais de l'exemple de Zara et d'H&M.
Zara, en tout cas pour l'Europe, une production essentiellement Portugal, Maghreb, Espagne. Et donc, grâce à des délais plus courts, on pouvait réagir plus rapidement. Et donc, on l'a vu. Je sais pas, il n'y a pas de personne de Zara sur le chat par hasard, mais je suis convaincu. Voilà, le délai de fabrication de collection Zara, c'est entre 4 et 6 semaines. Je fais une vidéo à ce sujet-là, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Et clairement, quand vous avez 6 semaines de délai, voilà, 6 semaines avant, c'est beaucoup plus facile de réagir que si vous avez 6 mois, 12 mois, vous devez bloquer des quantités, une usine complète, comme peut potentiellement le faire HM. Bon, je connais pas bien HM, mais j'imagine qu'ils travaillent comme ça. Voilà. Six weeks to shave, disait Naila pour Zara. Donc clairement, ces entreprises-là, elles ont payé plus cher leur prix d'achat, mais aujourd'hui, elles peuvent réagir plus rapidement et elles vont probablement sortir beaucoup plus sereinement de cette baisse de la demande que les entreprises qui achetaient des conteneurs complets 12 mois avant, venant de Chine ou d'Asie. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et bah, aussi, pour réduire vos délais, vous pouvez aussi changer de mode de transport. Donc, on voit en ce moment l'explosion des frets aériens sur certains produits. Donc, ce n'est pas forcément responsable écologiquement. Mais une des façons de réduire, vous pouvez donc rapprocher vos fournisseurs, donc changer de fournisseur. Vous pouvez changer de mode de transport. Et vous pouvez aussi changer votre cycle de production pour, comme Zara, avoir un cycle de production et de création qui est beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est plus long terme. Mais c'est clairement quelque chose qui peut vous aider sur le stock. Je le redis, si vous voulez réduire le stock, vous devez centraliser votre stock. Ça, c'est très, très important. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans la répartition de stock. Et un des principaux problèmes que je vois, c'est vraiment trop de points de stockage. Mais donc, il y a une formule. Bon, je ne vais pas vous sortir la formule, mais en gros, chaque fois que vous augmentez un point de stockage, vous augmentez de la racine carrée du nombre de points de stockage. Après sur avant, enfin divisé, bref, en tout cas, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais mathématiquement, à chaque fois que vous stockez à un endroit différent, un endroit en plus, vous allez augmenter votre stock. Donc, si vous voulez réduire votre stock, vous devez recentraliser. Vous allez probablement perdre un peu en délai, quelques heures, quelques jours, sur le délai aval, mais c'est un point qui est très facile à faire et que vous allez voir, vous allez très rapidement gagner en stock et en simplicité de process. Très important. Et dernier, sur la réduction de stock, c'est d'automatiser sa gestion de stock. Donc, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on a le problème, c'est qu'on a encore trop d'opérations manuelles et de prises de décisions manuelles. Et généralement, l'être humain a tendance à surstocker. C'est la peur de manquer. On le voit avec le papier toilette. Et donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer à automatiser sa gestion de stock. D'abord sur Excel, si vous êtes que sur Excel, et ensuite sur un ERP ou un logiciel de gestion de stock, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'automatisme et ne se focaliser que sur des exceptions qui ont vraiment des problèmes qui nécessitent, par exemple, vous avez une promotion ou vous avez une demande qui a explosé ou qui a diminué. Donc ça, c'est plus long terme. Si vous êtes sur Excel, ça peut aller assez vite. Si vous intéresse, j'ai fait des Excel à ce sujet-là. Mais ça part encore une fois de la prévision, d'avoir toutes les données dans un même fichier, dans un même endroit, pour pouvoir ensuite le faire. OK, ça va? Vous apprenez des choses ou c'est vraiment trop, trop simple? En tout cas, j'espère que c'est concret. Super. Voilà, donc en tout cas, oui, j'avais parlé de ça. Donc, je vois beaucoup d'entreprises qui travaillent sur des gros ERP qui coûtent très cher, 3 000 euros par mois, 2 000-3 000 euros par utilisateur. Et à la fin, ils travaillent quand même sur Excel. Et donc, voilà, moi aussi, j'ai travaillé 10 ans sur SAP et moi aussi, j'avais mes gros Excel. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir un gros Excel avec toutes vos informations dedans. Pas plusieurs, mais un seul, où vous allez tout centraliser, vos ventes, vos stocks, vos prévisions, vos MOQ, vos fournisseurs, etc. Tout le monde utilise Excel exactement. Voilà, vous prenez ça des SAP, de JDA, de AS400. Qui est sur AS400 là? Il y en a encore plein qui sont sur AS400, c'est un vieil ERP IBM. Et vous mettez tout ça dans un seul Excel, vous avez une vision simple et claire, vous avez vos ventes, votre rotation de stock futur, vous voyez tout de suite ce qui ne va pas. Et ensuite, donc là, je ne peux pas vous l'expliquer simplement comme ça, mais le fait d'avoir tout un endroit avec des informations qui sont fiables, ou Google Sheet potentiellement, et ensuite, vous allez voir tout de suite, voilà, vous allez vous focaliser sur vos plus gros stocks, vos plus grosses structures, et vous allez prendre les décisions très rapidement, et vous allez potentiellement réinjecter ensuite dans SAP, JDA, AS400, etc. À part si vous êtes très. Voilà, SAP commence à automatiser, moi je travaille sur des projets pour automatiser tout ça dans SAP, mais ça prend du temps, et aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Une question sur est-ce qu'il est possible de connecter Excel à SAP en temps réel? Il est possible de connecter SAP, de récupérer les données sur Excel si vous avez un plugin qui s'appelle Business Explorer ou Analysis. Mais ça coûte assez cher. Mais vous ne pouvez pas réinjecter.
Donc, c'est vraiment que dans l'analyse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaillais longtemps avant de mettre en place des algorithmes sur les ERP. Donc, ça, c'était souvent ma maquette. Et je pense que pour ceux qui ont du temps en ce moment, c'est l'opportunité de construire ce genre de fichiers. OK? Vous avez aussi des BI, dont je n'en ai pas parlé, des logiciels de business intelligence qui vous permettent de récupérer les informations, donc comme NetSuite, ClickView, Tableau ou Power BI sur Microsoft. Voilà, donc il y a quelqu'un qui nous demande est-ce que vous pouvez avoir un modèle Excel? Donc moi, pour faire un tout petit peu de pub quand même, j'en ai formation. Et donc en fait, si vous voulez vraiment un Excel complet, c'est je le vends, je le propose dans la Devenez un expert en gestion de stock pour être transparent. Donc ça. J'ai fait une formation où j'ai fait un énorme Excel avec des vraies données d'une entreprise avec laquelle j'ai travaillé et j'ai reconstruit toute la base et je vous explique étape par étape comment faire ce fichier et comment optimiser vos stocks. Donc ça, j'ai déjà pas mal de quelques personnes du chat qui sont clients et que j'ai accompagné sur ce sujet-là. Donc je vous invite à aller voir sur mon site après si ça vous intéresse. Si vous voulez faire une classification ABC, j'ai une vidéo YouTube que vous pouvez aller voir. Et pour ceux qui sont plus loin, j'ai un petit programme qui vous montre comment faire. Et si vous voulez mettre en place des indicateurs, j'ai fait une vidéo YouTube qui est gratuite et après j'ai une petite formation qui vous explique comment les mettre en place. Si vous voulez vraiment le truc complet, je vous invite à prendre ça. Clairement, c'est plus cher, mais c'est vraiment ce que je faisais dans mes entreprises avec des vraies données partagées qui vous montrent vraiment un exemple concret. OK? Après, vous avez toujours la vidéo YouTube. Si vous avez, c'est pas le moment pour vous, vous pouvez aller voir toutes mes vidéos YouTube et mes outils gratuits pour pouvoir classer vos produits et optimiser vos stocks. Cool. C'est bon? Communication de crise? Quel est l'impact? Excusez-moi, il y a beaucoup de questions. Merci. Merci pour ta recommandation, Mamadou. Donc, beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre à la fin. Communication de crise, je continue. Donc, je voulais juste faire un point sur la communication de crise. Donc, je pense qu'on a une vraie opportunité sur la communication de crise. Et clairement, moi ce que je vois, moi je le vois pour, en tout cas ça s'est passé pour moi, c'est que on voit clairement les personnes s'affirmer dans des situations de crise. Et donc vous avez deux possibilités, soit vous êtes une personne qui est en panique, qui propose qui ne n'apporte que des problèmes et qui va râler, et qui va dire que c'est le bordel, que ça marche pas et qu'il y en a marre, etc. Soit vous êtes une personne qui va apporter des solutions concrètes et qui va apporter de l'optimisme et une énergie positive pour votre entreprise. Et moi, je pense, moi en tout cas, j'ai vécu des situations de crise. Donc, j'ai une usine notamment qui avait brûlé. On avait vécu des gros problèmes informatiques où notre système était en panne, donc il fallait tout faire à la main. On a eu des gros problèmes de taux de change quand j'étais au Brésil. Et donc, moi, clairement, j'ai souvent j'ai réussi à m'affirmer dans des situations de crise. Donc, je vous invite à en faire autant. Je vous invite déjà à être transparent par rapport à vos clients, à vos fournisseurs, à votre entreprise. Je vous invite à proposer différents scénarios avec une évaluation des risques. Et je vous invite à voilà, communiquer très régulièrement, pas seulement sur les mauvaises nouvelles, mais aussi sur les bonnes nouvelles qui vont arriver, parce qu'on va aussi avoir des bonnes nouvelles, parce que la situation va s'améliorer. Et donc, je voulais vraiment insister là-dessus, parce que je vois beaucoup de personnes qui travaillent énormément en ce moment, 15 heures par jour, un peu toutes seules, qui prennent des décisions toutes seules. On prenait l'exemple des masques tout à l'heure. Faites attention à ne pas oublier de communiquer. Et pas oublier voilà, de partager ce que vous faites, sinon ça va devenir. Sinon, vous allez. Si vous prenez des décisions qui ne sont pas les bonnes, parce que c'est normal de prendre de mauvaises décisions, c'est pas tout ce qu'on. Enfin, c'est impossible de prévoir l'avenir. Si elles ne sont pas partagées, ça va vous retomber dessus. Donc soyez vraiment bon là-dessus et affirmez-vous. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de la logistique que la supply chain. Donc c'est le moment aussi dans votre entreprise de vous mettre en avant et de proposer des solutions qui sont concrètes et qui vont faire marcher, qui vont faire avancer l'entreprise dans la bonne direction. Donc voilà, petite note positive. Mais je pense que la communication, c'est vraiment un point, en tout cas en supply chain, qui est sous-estimé par beaucoup de personnes et qui est très important. OK? Donc, communiquer, et pas seulement avec moi sur le chat. Super, donc on arrive pour moi maintenant à la partie la plus intéressante. OK. Je vois les commentaires, mais je ne peux pas tout répondre. Merci pour vos retours positifs. Donc, impact et opportunité, c'est là où on commence à parler de choses intéressantes. Donc, premier impact sanitaire, on a vraiment un impact négatif déjà pour la santé. Donc, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je ne vous l'ai pas demandé au début du call. J'avais un quiz sur est-ce que vous avez le corona, mais j'ai pas osé le mettre. J'espère que vous êtes en bonne santé. Moi, ça va mieux. Là, tout va mieux. Un vrai impact sur la productivité, on voit qu'on doit. On doit, voilà, en termes de process, je ne vous apprends rien, mais on doit séparer les personnes.
On a maintenant, je vois beaucoup d'entrepôts qui travaillent de nuit parce qu'on ne peut pas avoir autant de personnes qui travaillent de jour. On a un process qui devient très compliqué, on a des coûts qui sont en train d'exploser, on a les heures supplémentaires, on a plein de matériel, donc ça, c'est vraiment un impact négatif. Par contre, l'opportunité, est-ce qu'on a Pascal sur le chat par exemple? Donc déjà, on a une mise en avant des personnes, des responsables sécurité et qualité. Donc, clairement, ces personnes-là, je pense qu'elles n'ont pas eu toujours un retour très positif de leur métier, pardon. C'est toujours difficile d'imposer des règles et je pense que là, c'est une vraie opportunité pour vous. Bah déjà de remettre en avant que votre métier est super important par rapport à la sécurité et à la qualité de nos process. Et donc ces personnes-là ont un vrai rôle à jouer ces prochains mois pour mettre en place des nouveaux process. Et on a une vraie nouvelle économie qui va pour moi se créer autour de la sécurité sanitaire. Donc on va avoir des entreprises qui vont devoir faire des audits pour évaluer la situation. On va avoir des nouveaux équipements qui vont être imposés. On va avoir des nouveaux systèmes de filtration air qui vont être imposés et on va avoir des nouvelles normes. Et donc autour de ça, pour ceux que ça intéresse, on a vraiment des gros business qui vont se créer. Donc moi par exemple, quand j'étais supply chain director, si aujourd'hui j'étais encore dans ma position, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me propose un package en me disant, mais voilà, je vais te faire un audit de ce qu'il faut que tu changes, je vais te filer tout l'équipement que tu dois faire, je vais former tes équipes et je vais garantir que tu es certifié à la nouvelle norme parce qu'on va avoir des nouvelles normes qui vont arriver. Ça, c'est certain. Et en plus, moi, si je suis une grande entreprise, je peux pas me permettre de prendre le risque d'avoir encore mon activité qui s'arrête. Donc, je serai obligé d'avoir des systèmes de sécurité qui me permettent de gérer cette crise. Donc, formation, équipement, consulting, audit, diagnostic. Pour moi, ça, c'est une opportunité incroyable. Personnellement, je me positionnerai pas là-dessus directement parce que je suis pas un expert en sécurité santé. Mais en tout cas, si vous l'êtes, je vous invite vraiment à mettre les bouchées doubles, et puis si vous faites un truc intéressant, si vous faites un bon package, parlez-moi-en, et j'en parlerai peut-être sur mon site. Mais vraiment, super opportunité. Donc voilà, c'est triste, mais on a aussi des personnes qui vont en profiter. Deuxième point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, vous me suivez, vous partagez le premier point ou pas? Non? Ok, ça commence. Good, merci Dominique. Deuxième point, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Rapprochement des sources d'approvisionnement. Voilà, on a vraiment compris qu'on subissait déjà de notre dépendance vis-à-vis de la Chine au départ. On a eu des hausses des prix d'achat. On a vraiment une tendance aujourd'hui. Alors, j'ai une vraie question sur est-ce que ça va vraiment se passer? Parce que moi, ce que je vois, c'est quand même que la Chine s'en sort mieux que l'Europe et donc elle va être renforcée dans sa position aussi industrielle. Donc, je ne suis pas sûr que ça va arriver sur beaucoup d'industries. En tout cas, pour les grandes entreprises, elles vont être obligées à un moment de sécuriser ce risque et donc de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Donc, moi, je pense qu'on va avoir un rapprochement de certaines sources d'approvisionnement, pas forcément si vous êtes en France, ou si vous êtes au Maroc, ou si vous êtes au Canada, mais en tout cas, on va essayer de rapprocher ces sources. Donc, l'impact négatif, c'est qu'on va avoir une hausse des prix d'achat, je pense, parce qu'on n'aura pas les mêmes échelles que la Chine notamment. Donc, effectivement, on aura du double sourcing, vous me disiez ça, si, c'est clair. Donc, les grandes entreprises faisaient déjà du double sourcing. Le problème du double sourcing, c'est qu'il ne faut pas aussi que ton composant vienne du même endroit. Parce que je vois beaucoup de double sourcing, mais qui dépendent d'un seul fournisseur composant. Donc, ça, c'est sympa tant que tu as du stock composant. Mais il faut aussi du double sourcing composant si tu veux vraiment sécuriser ça. Ça dépend encore une fois de tes niveaux de stock. En tout cas, on aura une grosse inertie, ça va prendre énormément de temps et je doute que politiquement, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup d'effets d'annonce, mais je ne pense pas que ça va être dans toutes les industries. Parce que aujourd'hui, moi, je prends beaucoup l'exemple de l'Europe, parce que je connais bien l'Europe, on a quand même vraiment perdu un savoir-faire industriel et je pense que ça va être compliqué dans certaines industries de revenir. Je l'espère, mais je pense que ça va être compliqué. Comme vous voyez, aujourd'hui, on dépend que de la Chine pour recevoir des masques. Ça n'a pas l'air d'être un process qui est très compliqué. Mais clairement, voilà, je pense que ça va prendre du temps et je pense qu'on aura aussi des problèmes de fiabilité et d'expertise. On n'a plus les personnes aujourd'hui en Europe pour faire ces métiers-là, donc il va falloir le réinventer. En tout cas, les opportunités, c'est qu'on aura énormément de projets industriels, j'espère. Pour moi, les acheteurs vont jouer un rôle clé. Pour moi, les acheteurs ont vraiment toute la partie sourcing. Et excusez-moi, je regarde le chat en même temps. J'aime le point les acheteurs, oui, effectivement, Aurelio, acheteur. Donc, quelques acheteurs sur le groupe, peut-être? Aurelio, oui, je connais bien Aurelio. Apro, voilà. Donc, tous ceux qui sont dans le procurement, je pense que vous avez vraiment un rôle clé à jouer. Je pense que vous devez déjà commencer à penser à cette stratégie. Je pense que la clé, ça va être surtout le délai, la flexibilité des approvisionnements, toujours en ayant une logique
coût complet. Donc, j'essaierai de faire des outils et des vidéos à ce sujet-là, parce que j'ai beaucoup de questions. Et j'espère que ça va aussi recréer des emplois plus locaux. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'opportunités à ce sujet-là. Donc, j'espère que vous pouvez vous positionner aussi sur ces opportunités. OK? Troisième. Donc, ça va, j'avais. Moins de ventes. On te voit jamais. Si, si, je bois. OK. On ne voit jamais remplir ma tasse. Si, si, regarde. Là, j'ai une grosse tasse. Après, je vais aux toilettes. Donc... OK. Moins de ventes offline, évident. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est tellement évident. On ne peut plus acheter dans nos magasins, donc on a un impact considérable sur le retail, la distribution. La rentabilité au mètre carré qui était déjà en baisse, ce que je voyais, c'est que je connais bien le retail. La rentabilité au mètre carré, même avant la crise, est en train de baisser. Les surfaces sont en train de réduire leurs surfaces, d'essayer de se rapprocher de leurs clients. On a une énorme concurrence sur les commerces, notamment d'Amazon, et donc... Voilà, l'impact négatif, c'est qu'on va avoir des faillites, on va avoir du chômage en distribution et en retail. Les opportunités, c'est qu'on va avoir une accélération forcée du e-commerce. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont plus le choix, elles sont débordées sur la partie e-commerce. Et pour moi, c'est une opportunité. C'est qu'on va, je vois beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais investi suffisamment. Et là, clairement, elles n'ont plus le choix. Donc, super opportunité. On va avoir plein de nouveaux services autour du e-commerce qui vont arriver. Donc, pour moi, j'espère que ça compensera la distribution. Je ne pense pas. Je pense qu'on aura à la fin moins de jobs au global. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez experts. On va avoir des nouvelles habitudes de consommation et voilà, les experts en projet omni-commerce, donc c'est le retail et l'e-commerce en même temps, ont de l'avenir devant eux, donc des grosses opportunités pour eux. Est-ce que Grégory sur le chat, donc expert omni-commerce, je ne sais pas s'il est encore là, mais voilà, ce genre de profil. À la fois accès supply chain, à la fois accès e-commerce et business ont clairement d'énormes opportunités. On va avoir aussi énormément d'opportunités sur la partie logicielle pour pouvoir gérer à la fois du stock sur le canal de distribution classique et e-commerce. Donc, super opportunités. Encore une fois, si vous aimez ça, positionnez-vous là-dessus. La crise va continuer, mais les gens vont continuer à consommer et sur Internet, ça va exploser. Quatrième opportunité, accélération des automatisations. Donc, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos YouTube. Pour moi, l'impact négatif, donc clairement, ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de le voir, les entreprises disent, mais attends, là, mon entreprise, mes employés ne peuvent plus venir travailler dans mes entrepôts ou dans mes bureaux et je peux plus livrer à mes clients. Donc, le réflexe qui va se passer, c'est que les entreprises vont vouloir de plus en plus automatiser. Et je pense qu'il ne faut pas être naïf autour de ça. Elles le voulaient déjà avant. Ça va continuer. Et pour moi, l'impact négatif, c'est que ça va accélérer ce mouvement, que ce soit d'un point de vue mécanique dans les usines et les entrepôts, mais aussi et surtout, je pense que les gens ne le voient pas arriver, mais c'est en train d'arriver, surtout d'un point de vue bureau administratif, donc demand planning, master data, transport, import-export, les managers et tout ce qui est administratif. Tous ces métiers-là, aujourd'hui, ils existent encore parce qu'on a des interfaces entre les outils qui sont très faibles. Donc moi, dans mon ancienne équipe, quand j'étais directeur, j'avais un tiers des personnes qui vérifiaient les informations entre des systèmes, entre est-ce que mon produit va arriver, entre Kuhn et Nagel, tous mes transporteurs, entre mon master data sur SAP, entre mon DHL, mes livraisons, etc. Et donc, j'avais à peu près un tiers des personnes qui passaient leur temps à mettre à jour des données entre des systèmes. Et donc ça... la blockchain va forcément aider, donc on a plein d'opportunités, mais en tout cas, c'était déjà un problème avant, et à très très court terme, on ne va pas le voir, parce que je vois beaucoup d'SS2I, parce qu'on a des personnes consultants peut-être qui sont en SS2I, donc j'en discutais avec eux cette semaine, tout le monde a coupé ses investissements en développement informatique quasiment, donc on va avoir une chute très rapide, et je vous dis que ça va très rapidement revenir, où les entreprises vont dire, bon, c'est quoi le plan maintenant pour plus avoir autant d'impact, c'est automatiser, et donc Amazon, encore une fois, je parle beaucoup d'eux, mais pour moi, c'est vraiment l'entreprise qui est vraiment devant tout le monde. Elle est déjà en train de le faire, en train d'y arriver. Quand ça va être rentable, elle va basculer tous ses entrepôts et ça va être massif. Et donc, pour ça, donc on a un impact qui est très négatif pour l'emploi, pour les personnes qui font des tâches manuelles ou répétitives. J'espère que si vous êtes dans une tâche répétitive aujourd'hui, j'espère que vous êtes en train de vous remettre en cause parce que ça va devenir très compliqué. Et les opportunités... Ça va être pour toutes ces personnes qui sont capables de mettre en place des projets d'automatisation, comme moi. Clairement, moi, je profite de ce mouvement. Des experts en ERP, en logiciel, en algorithme, tout ce qui est en lien avec l'analyse de la donnée.
Toutes ces personnes-là, il y en aura moins, mais ces personnes-là auront un profil qui est très attractif sur le marché. Et donc, on aura aussi des métiers qui seront moins manuels, moins répétitifs et plus intéressants. Clairement, ça, je pense qu'on aura, en termes d'emploi, on aura moins d'emplois dans ces domaines-là, mais on aura aussi plus de services. Donc, avant, on avait un seul canal de distribution qui était je vends un magasin. Maintenant, c'est je vends via Internet, je dois livrer chez lui, je dois personnaliser, etc. Donc, on aura plus de services, donc j'espère que ça compensera. Moi, je pense qu'on aura quand même moins d'emplois. Et donc, je vous invite encore une fois, les vidéos que je vous partage, j'espère vraiment que ça vous sensibilise sur aujourd'hui le diplôme que vous avez passé il y a 10 ou 15 ans en supply chain logistique, ça ne suffit pas. Si vous ne vous remettez pas en cause et que vous ne vous positionnez pas par rapport à ce métier-là, clairement, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'aurez plus le choix à un moment. Donc voilà, c'est un petit message que je voulais vous faire passer. Et pour moi, c'est un point qui va s'accélérer fortement ces prochaines années. OK? Dernier. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure, 1 heure, 1 h 24 qu'on est ensemble. Donc, vous m'aimez vraiment. On a encore combien? Hop. Ah ouais, on a encore pas mal. Hein. Ça fait plaisir. On a encore plus de 100. Donc, concrètement, merci, c'est gentil. Donc, la dernière opportunité et l'impact, c'est de plus de travail online. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, aujourd'hui, on n'a pas le choix pour beaucoup de personnes qui ne travaillent plus. Enfin, je ne parle pas des personnes qui travaillent aujourd'hui en entrepôt, en usine, mais. On nous a, voilà, clairement, vous n'avez plus le choix, vous devez travailler online. On a un changement forcé de nos habitudes de travail. On a aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on peut travailler online. On peut faire plus avec des logiciels. Et donc, ça va avoir un impact déjà négatif. C'est qu'on vous allez avoir, voilà, je pense que ça va, on va avoir plus d'investissements sur de l'automatisation de logiciels et vous allez ce qui va se passer, c'est que d'abord on va réaliser que c'est possible de le faire et ensuite vous allez rentrer en concurrence avec d'autres personnes que votre ville. Et donc ça, je commence à le voir. Moi personnellement, je travaille avec des clients un peu partout dans le monde et clairement j'ai pas besoin d'être dans leur bureau. Donc je fais ça à titre de projet, coaching et consulting. Mais voilà, j'ai déjà géré l'approvisionnement pour une entreprise complètement à distance. Et donc aujourd'hui, vous devez aussi réaliser que clairement, on va être de plus en plus en concurrence mondiale. On l'a vu sur les métiers basiques au début, appel téléphonique, standard. Maintenant, on est en train de parler de virtual CFO, donc des directeurs financiers virtuels. Et moi, clairement, je me positionne sur le supply chain, ce que j'appelle le supply chain digital nomade, où clairement, je suis capable de faire mon métier en ligne et d'accompagner, que ce soit pour une entreprise ou pour différents projets. Et donc, ça, c'est vraiment une tendance que je vais vraiment communiquer ces prochains mois. Qui va s'accélérer fortement. Juste pour un chiffre, j'ai voulu acheter une webcam parce que je trouve que ma webcam n'est pas très quali. Et ce que je me rends compte, c'est qu'il y a toutes les web... il y a plus de webcam disponible. Tout le monde en a acheté. Donc tout le monde est en train de s'équiper, tout le monde est en train de se préparer. Et ça va apporter beaucoup de concurrence, mais aussi énormément de qualité de vie. Et pour ceux qui sont des experts reconnus, vous allez être encore plus attractifs. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités dans le consulting et coaching et énormément d'opportunités dans des logiciels qui nous impose de changer nos manières de travailler. OK, donc ça, c'est vraiment une tendance de fond. Digital Supply Chain Manager, c'est ça, Dominique. Bon, bah, c'est un mot qui m'est un peu sorti, donc je me balade pas mal avec des digital nomades maintenant, parce que moi, j'ai personnellement beaucoup voyagé. J'ai aimé aussi ma liberté géographique, et c'est vraiment un point sur lequel j'ai travaillé ces dernières années, j'essaierai d'en partager un maximum d'expérience avec vous. C'est pas évident, ça change vraiment. Il y a beaucoup de compétences à développer, de nouvelles compétences, plus de repères. Mais voilà, c'est un des points que c'est des points que j'aimerais développer, vous faire partager avec vous. Ça fera partie des pyramides que je vous avais présentées tout à l'heure. OK? Mais oui, c'est encore le début, mais ça va arriver progressivement. Et ça va arriver aussi avec l'arrivée de logiciels qui sont de plus en plus automatiques et online. Aujourd'hui, si vous êtes encore sur un ERP comme S400, très compliqué de travailler à distance, mais si vous êtes sur des logiciels complètement cloud, beaucoup plus facile. Ok, donc on arrive à 1 h 30 de webinaire. Je suis étonné que le son marche encore. Merci d'être encore là. Alors, on a encore 100 personnes, donc c'est incroyable. Ça fait plaisir. Merci Dominique. Et vous bossez pas ou quoi? Ok, donc on résiste. Je ne sais pas si je vais rapidement parler de la quarantaine et après on passera aux questions pour ceux qui veulent encore rester. Et après j'irai aux toilettes. Écoutez, c'est un investissement, c'est beau ce que tu viens de dire. Ok, je me plaisante. Merci pour vos commentaires.
Ok, donc en tout cas, que faire en quarantaine? Pour moi, il y a deux solutions. On essaie d'être carré. Soit vous allez encore au travail et il n'y a personne. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Dites, soit vous jouez sur votre PC, soit vous faites le ménage. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le ménage. Chômage partiel. Alors, vous pouvez mettre dans les commentaires juste si vous travaillez ou si vous êtes en chômage partiel. Vous mettez juste télétravail ou chômage partiel. Ou je travaille et je fais ma pause depuis 1h30. RTT, télétravail. TT, chômage partiel. Home office, télétravail, ouais. Digital nomade comme toi, bien joué, Alison. Chômage tout court. Ah. Mon courage, Arnaud. Télétravail, chômage, home office. Ok, bon, en gros, c'est moitié-moitié. Si vous êtes encore au travail, en fait, pour moi, le corona, c'est un peu, ça me fait penser un peu la période de Noël. Moi, j'aimais bien travailler à Noël, parce qu'il n'y avait personne à Noël. J'étais tranquille. Et je pouvais faire tout ce que je voulais. Et qu'est-ce que je faisais? Ben, je nettoyais mon PC. Vous savez, toutes les icônes qu'il y a sur votre bureau, là où c'est le bordel, il y a des Excel partout. Ben, vous nettoyez tout ça. Pareil sur votre téléphone, vous supprimez toutes les applications. Vous filtrez vos emails, vous mettez des filtres automatiques pour arrêter de recevoir des newsletters à part celle de ABC Supply Chain. Ça, vous mettez là bien en contact parce que j'ai vu que j'étais tombé dans les spams parce que je mentionnais trop coronavirus. Donc faites attention. Après, tout le reste, vous pouvez mettre dans un dossier automatique. Voilà, les to-do list, vous pouvez, voilà. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, plus sérieusement, c'est d'automatiser vos Excel. Donc, j'ai parlé de grandes bases Excel, je vois trop de personnes qui ont des Excel partout. Bah, profitez-en, prenez votre temps, centralisez tout, faites un truc propre, mettez peut-être des macros pour automatiser automatiquement. Nettoyez votre master data. Donc, master data, c'est toutes les données de base. Ça, c'est vraiment le truc chiant que personne ne fait. Bah, là, en ce moment, si vous faites rien, bah, faites-le. Faites-le ou faites-le avec d'autres personnes, mais c'est vraiment l'occasion de nettoyer vos prix, vos poids, vos volumes, tous les trucs que vous faites jamais, que personne ne fait, et quand c'est pas à jour, eh bien, ça marche pas. Installer un logiciel, donc ça peut être installer un logiciel de gestion de stock, ça peut être installer un logiciel pour faire, enfin, n'importe quoi, mais un logiciel qui va automatiser vos tâches. Et voilà, c'est vraiment les conseils que je vous donne si vous êtes dans l'entreprise et que vous avez peu d'activités, aujourd'hui. Ensuite, si vous êtes chez vous, donc la moitié des gens, vous êtes en télétravail, donc c'est-à-dire que vous regardez un YouTuber en ce moment, vous faites comme moi, quoi. Bref, il y a des gens qui sont sur Netflix, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, etc. Moi, personnellement, les premiers jours, je passais ma vie sur Facebook, à regarder des choses négatives et positives, et je pense qu'on a un peu passé cette phase. En tout cas, j'espère que vous l'avez passé. J'ai regardé un film depuis 3 semaines. J'ai pas mal de boulot, moi je suis assez sollicité. En tout cas, soit vous êtes la personne qui va juste profiter de son temps, si c'est votre choix, très bien. Soit vous en profitez pour améliorer vos expertises, vos expériences et vos compétences. Je pense qu'il y a un peu les deux. Je pense qu'il faut pas non plus travailler 15 heures par jour. Voilà, télétravail, e-learning, voilà. Je pense qu'il faut un peu les deux. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est de vous poser la question comment vous pouvez améliorer votre performance, votre attractivité et votre liberté. Et pour ça, ah oui, il y a Casa de Papel. Ah oui, il y a Casa de Papel. Faut pas non plus, faut pas abuser. Mais bon, voilà, EDX pour ça, ouais, très bien. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est, voilà, j'ai déjà parlé tout à l'heure, je pense que les métiers à la supply chain sont en train d'évoluer rapidement. Vers une évolution, donc plus de concurrence, on aura besoin de plus en plus d'experts et de moins en moins de personnes qui font des tâches automatiques. Et donc par rapport à ça, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez développer et focalisez-vous sur un ou deux points et faites-le. En tout cas, voilà, je vais pas y passer des heures, mais ce que je vous conseille, c'est d'aller voir, pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une vidéo comment devenir supply chain manager. Donc vous allez être peut-être déjà supply chain manager, mais les principes sont les mêmes. Vous passez directeur ou head of supply chain. Et en tout cas, voilà, il y a différentes expériences à développer. Donc allez voir cette vidéo. Et en tout cas, par rapport à vos objectifs long terme de je veux être supply chain directeur, je veux être manager, je veux être supply chain nomade digital, c'est important, voilà, vous êtes encore étudiant, c'est important déjà de cibler bah, quelles sont les expériences que je veux cibler ces prochaines années et quelles sont surtout les compétences qu'aujourd'hui les expériences, on ne peut pas trop travailler, donc c'est compliqué, mais c'est surtout les savoir-faire. Compétences que vous voulez développer par rapport à ces métiers-là. Et donc pour moi, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans la vidéo, les savoir-faire fondamentaux que vous devez développer si vous voulez avoir une carrière qui soit la plus efficace et si vous êtes entrepreneur, d'avoir un maximum de performance en supply chain. Et donc je vous invite à vous poser la question dans toutes celles-là, je ne vais pas les reciter, c'est en gros, quelle est votre priorité aujourd'hui?
Est-ce que c'est Excel? Si vous n'êtes pas bon sur Excel, peut-être l'opportunité de faire un nouvel Excel, vous former, apprendre sur le planning, le management, la gestion de projet, peut-être faire une certification en gestion de projet. Moi, ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé. Apprendre plus sur la finance, la négociation. Peut-être passer Casa de Papel en anglais, hein, pour ceux qui regardent Netflix. En tout cas, voilà, si vous restez sur Netflix, c'est votre choix, mais au moins mettez-vous en anglais, parce que l'anglais c'est indispensable en supply chain, clairement. Si vous ne parlez pas anglais, c'est très compliqué pour vous, surtout avec la mondialisation. Et donc je vous invite à voilà, potentiellement lire un livre en anglais, surtout ne mettez pas sous-titres en français, etc., etc. Vous formez sur un nouvel outil, etc., etc. Ok? L'espagnol c'est bien aussi, mais l'anglais, clairement, c'est indispensable. Si vous ne parlez pas anglais, apprenez pas l'espagnol, clairement. Et ensuite, vous avez les savoir-faire. Donc, les compétences, on va dire, techniques, et vous avez les compétences interpersonnelles. Et donc là, il y en a aussi de très importantes. Je parle de la communication, le leadership, l'adaptation, la gestion du stress, etc., etc. Pour ces compétences-là, bien sûr, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Moi, j'ai beaucoup appris avec les livres que j'ai lus, notamment les biographies. Et donc, j'ai vraiment appris par rapport aux modèles mentaux que je vois de grands entrepreneurs et de leaders d'entreprise. Donc, j'ai fait une vidéo. J'avais envoyé un email, mais qui est probablement tombé en spam parce que je parlais du coronavirus. Donc, je vous invite à aller voir dans vos spams. Mais sinon, allez sur la chaîne YouTube où je parle des 24 livres qui m'ont vraiment inspiré. Et dans ces 24 livres, il y en a, c'est vraiment autour, oui, elle est top sur les livres. Merci, Laure. Et sur ces 24 livres, c'est vraiment, il y a un peu de tout. Je vous invite peut-être à en prendre un. Si vous voulez développer votre anglais, lisez-le en anglais. C'est difficile, mais au moins, vous allez développer deux compétences en même temps. Et moi, c'est vraiment comme ça que je me suis formé. C'est en lisant beaucoup, en m'entourant de personnes inspirantes. Clairement, voilà. Donc, j'espère être peut-être une personne inspirante pour certains d'entre vous. Peut-être pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je me suis entouré de personnes inspirantes qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont fait aussi beaucoup de retours sur comment j'étais pour essayer de m'améliorer. Donc, c'est ça qui m'a vraiment fait progresser. Ça va passer par, qu'est-ce qu'on a après? Hop, ça va passer par les formations. Moi, je propose des formations en ligne pour être transparent, mais j'en ai pas beaucoup. Donc, il y a plein de sujets que je ne traite pas, que vous devriez traiter à côté. Donc, formation en ligne, ça peut être travailler sur un nouveau projet. Donc, vous êtes encore dans votre entreprise, mais travailler sur un projet, peut-être de mettre en place un nouvel Excel, un nouveau logiciel. Ça peut être de travailler pour un nouveau diversification de sourcing par rapport à ce qui est en train de se passer, etc., etc. Donc là, projet PMI, ouais. Voilà. Donc voilà, il y a plein de. Je suis un peu fatigué. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui est important, retenez sur la partie formation, c'est que je vois les gens partir un peu n'importe où. Aller sur YouTube, regarder la première vidéo qui tombe. Des fois, c'est la même, des fois, c'est pas la même, c'est pas grave. Mais soyez très clair sur c'est quoi votre objectif à moyen et long terme, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Et ensuite, par rapport à ce qui vous manque, soyez très clair sur OK, je veux vraiment focaliser sur un ou deux points. Et pour ces deux points, quel est mon plan d'action? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est un projet? Mais soyez vraiment très, très précis et ne vous dispersez pas. Moi, j'ai un gros problème de dispersion aussi en ce moment. Il y a de l'information partout. Et donc, je vous conseille aussi de couper, regarder peut-être les infos une fois par jour et ensuite vous focaliser sur ce qui compte vraiment pour vous. En tout cas, c'est une super opportunité de développer les compétences. Moi, pour vous donner un exemple, je n'avais jamais fait de webinaire et de live. Et clairement, bah, c'était une opportunité. Je l'aurais probablement fait en un an. Et là, bah, voilà, j'étais chez moi. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Et je l'ai fait en 5 jours. Donc, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé ces 3 derniers jours à essayer de tester, à faire un petit PowerPoint. Mais je suis content, en tout cas, qu'il y ait autant de gens qui me suivent encore jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Mais c'est juste un exemple pour dire que mon exemple, il peut être appliqué à plein d'exemples. Et encore une fois, j'espère que vous voyez le côté positif et les opportunités que juste les problèmes. OK? Voilà. Donc, je vous invite, si vous voulez plus de conseils et outils, allez sur mon site. Je pense que vous connaissez déjà. Il y a des formations, il y a des outils gratuits que vous pouvez télécharger. Je parle beaucoup de gestion de stock parce que c'est un peu mon domaine d'expertise à la base. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je peux vous accompagner sur du coaching, du consulting. Quand je fais du coaching, c'est moi-même, hein, c'est pas ABC Supply Chain, c'est surtout Edouard Tulleux et quelques personnes qui font en sorte que ça marche derrière. Mais voilà, j'essaie de répondre à un maximum d'emails rapidement. Et mon but, encore une fois, c'est de vous faire grandir à ma faible échelle, hein, pour que vous soyez plus performants. Vous avez une meilleure attractivité sur le marché du travail.
Et grâce à votre attractivité, vous avez plus de liberté et plus de fun. Et donc, voilà. Encore une fois, ça me ferait plaisir. Peut-être qu'on fera un apéro ABC Supply Chain, parce que tout le monde fait des apéros en ligne en ce moment, avec ou sans alcool. Et voilà, je vais essayer vraiment de continuer. Je vais probablement aussi faire des webinaires plus spécifiques, parce qu'aujourd'hui, on a un peu tout le monde, mais peut-être un groupe que étudiants, un groupe que professionnels experts, un groupe que voilà, peut-être un groupe consultant et un groupe leader comme Supply Chain Director, Supply Chain Manager. Donc j'ai plein d'idées en tête. Je vais aussi dormir un peu, mais je vous partage un peu ma vision qui va prendre probablement beaucoup de temps. Mais j'espère en tout cas essayer de recréer des groupes dynamiques. Alors, je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. Il y a beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup d'opportunités. Et j'espère qu'on va grandir ensemble, quoi. Voilà. Donc voilà, donc j'ai terminé. Ça y est, c'est un peu long. J'avais prévu 45 minutes, j'ai fait 1h39. Et voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de. J'ai pas vu toutes vos questions, mais je suis content que ça ait marché jusqu'à la fin en tout cas. Et je vous propose maintenant, voilà, mettez vos questions. Je peux encore répondre à vos questions si vous voulez encore rester un peu de temps avec moi. Je peux vous mettre un ou deux liens si vous voulez aller sur mon site. Attendez, comment ça marche? Pour ceux. Tac. Ah, ça marche. Hop. Vous pouvez voir mon site. Vous pouvez voir mes outils. Hop. Ça marche ou pas? Vous voyez quelque chose? Ça, c'est les Excel que je fais. Et formation. Voilà. Et questions. Merci, Edouard. Est-ce que vous avez des questions? Question-réponse? Question-réponse? Merci pour vos retours, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci d'être allé jusqu'au bout. Je vous enverrai donc un replay de la présentation. Si ça marche, j'ai l'impression que ça a marché. Merci Arnaud, salut. Effet sur l'économie sera-t-il structurel ou conjoncturel? Bonne question. Moi, je pense que ce sera les deux. Je pense qu'on va avoir une. Je ne suis pas un économiste, mais je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir. Le marché va baisser fortement ces prochains mois et les habitudes de consommation vont changer. Donc, je pense que. Pardon. Je pense que les habitudes de. Les gens se sont habitués à vivre longtemps chez eux et je pense vraiment que certains modes de consommation vont changer. Je pense aussi qu'on va avoir plus de minimalisme par rapport aux achats. On va avoir beaucoup plus d'online, beaucoup plus de. Excusez-moi, tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, je pense que ça va être les deux. J'espère qu'on aura aussi. Ça va être d'un côté positif. J'ai peur que les écarts se creusent entre les personnes qui ne sont pas formées à ces changements et les personnes qui sont expertes. Mais oui, je pense qu'on aura les deux changements et j'espère pouvoir vous accompagner. Merci Edouard, explique très bien dans notre vidéo YouTube. Merci. Trois vagues. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'une crise, ça ne dure pas un mois. Quand vous regardez les dernières crises, c'est toujours 2, 3 ans. C'est rare d'avoir un rebond qui soit très rapide. On n'a pas vu encore les faillites, on n'a pas vu tous les impacts. Donc, c'est pour ça que je serai très vigilant sur mes demandes. Et je pense que les gens vont clairement moins consommer. Et donc, encore une fois, je réinsiste sur ce sujet-là. Positionnez-vous comme des experts. Maîtrisez vos logiciels. Je pense que si vous maîtrisez surtout la partie technique et logiciel, vous serez beaucoup plus en mesure de passer cette crise que si vous êtes juste quelqu'un qui répète des tâches administratives. Donc soyez un expert. Je pense qu'on aura moins de managers. Je n'ai pas beaucoup parlé. Je pense qu'on aura aussi beaucoup moins de managers, surtout intermédiaires. On a encore beaucoup d'entreprises qui sont très pyramidales. Et donc moi, clairement, à partir du moment où vous mettez l'automatisation du logiciel, on l'a vu chez Amazon. Amazon a retiré deux niveaux hiérarchiques récemment parce qu'aujourd'hui, ils veulent clairement avoir des experts et pas des petits managers. Donc positionnez-vous surtout. On aura toujours besoin de managers, mais pour moi, ce sont plus des coachs experts. Et il ne faudra pas être seulement généraliste, il faudra aussi comprendre la technique, je pense. Excusez-moi, je vous. Changer de job en cette période, est-ce que c'est risqué? Oui, c'est risqué. Clairement, clairement, c'est risqué. Moi, personnellement, ça dépend du secteur, encore une fois. Si tu es dans le secteur de la santé, ou si par exemple tu dis je veux créer mon business sur par rapport aux normes de sécurité, les masques, le filtrage, etc., je pense que tu as une super opportunité. Après, si tu dis, si tu trouves, moi en tout cas, je vous déconseille de démissionner, je vous conseille de trouver et ensuite de changer. Ne démissionnez surtout pas maintenant, ça serait, je pense, une grosse erreur. Je pense que c'est mieux de trouver et ensuite de partir quand vous avez déjà le contrat signé. Mais ne faites pas,
Vous prenez peut-être pas, ou alors prenez un congé sabbatique d'un an. Mais moi j'ai pris un congé sabbatique à un moment, ce qui m'a permis d'arriver en Australie. C'était un choix réfléchi, personnel, où je voulais découvrir les pays anglo-saxons. Et voilà, j'étais chez Decathlon à l'époque et je voulais vraiment préparer un Ironman et je voulais découvrir les pays anglo-saxons et je me suis retrouvé en Australie. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Je devais rejoindre Decathlon, mais ils n'ont pas pu ouvrir l'Australie au bon moment. Et donc, j'ai dû retrouver un job à Sydney parce que je voulais rester à Sydney. Donc, c'était une grosse prise de risque, mais qui était quand même réfléchie. C'est que, un, j'avais des économies de côté, donc je pouvais me permettre de pas de vivre sans travailler. Donc, je n'avais pas ce stress. Si vous n'avez pas d'économie et que vous démissionnez maintenant, je pense qu'il ne faut pas le faire. Je pense que clairement, pour moi, il faut au moins 6 mois d'économie si vous prenez cette décision. Voilà. Donc non, voilà pour mon avis. Excusez-moi, je peux pas là encore longtemps. L'impact des sources d'infos, prenez les Covid. Je suis pas le meilleur en source pour le Covid. Je mettrai quelques sites compliqués sur la supply chain. Moi, j'aime bien McKinsey, Reuters. J'aime bien Reuters, McKinsey. Oula, McKinsey, comment on écrit? Voilà, j'ai pas. Tu prends le risque des experts, je recommande généralement d'attendre d'avoir le prochain job pour annoncer. Ouais, très bien. Merci Edouard, super intéressant. Oui, j'ai une newsletter. Ah, oui, bonne question. Attendez, bougez pas. Oui, si vous n'êtes pas sur ma newsletter, c'est étonnant, vous n'y êtes pas. Comment vous avez reçu mon. Comment vous avez reçu mon webinaire? Parce que je ne l'ai pas partagé sur LinkedIn. Vous pouvez aussi m'inviter sur LinkedIn si vous voulez partager mon réseau, qu'on partage son réseau. Je vous mets là. Vous mettez juste Edouard Tulleux sur LinkedIn. Comme ça, on sera copains. Voilà. Je vous envoie ça si vous ne m'avez pas trouvé. Formule racine carrée des stocks. Oui, alors Sylvain, racine carrée des stocks. C'est un truc qu'on avait vu à l'époque. Ça dépend vraiment de ton réseau logistique, mais en gros, quand tu passes de, par exemple, de 3 entrepôts, tu étais à 2 entrepôts, tu passes à 3 entrepôts, ce qu'on avait vu à peu près, donc ce que les experts disaient, c'était que l'augmentation de ton stock, c'est racine carrée de 3 sur 2. Si tu passes de 22 à 23, c'est racine carrée de 23 sur 22, ce qui donne l'augmentation de stock. Ça, c'est une estimation vraiment là, très, très, très approximative. Moi, ce que je faisais pour estimer l'augmentation de stock, c'est que je reprenais la vente moyenne de tous mes produits. Donc, je multipliais par la couverture que je souhaitais sur l'entrepôt. Et je faisais un arrondi et je mesurais l'impact aussi de l'arrondi des minimums de commandes. Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà pour l'explication. La petite explication. Je ferai des vidéos et je ferai peut-être des tutos et des formations par rapport à la distribution de stock. Ma prochaine formation où je travaille, c'est les prévisions. Pour ceux qui me demandent, donc je travaille sur les prévisions. Encore une fois, j'essaie vraiment d'être. Ça me prend du temps parce que j'essaie de faire un truc simple et efficace. Donc j'ai encore des points à développer. Je vois Shama qui met son LinkedIn aussi. Tu cherches du boulot? Pas de problème. Vas-y, fais-toi plaisir. Que penses-tu d'aller chercher un nouveau job en Asie? Attends, je vais mettre là. Ah tiens, on peut mettre ça. Mark has a question. Oui, non, non. Oui, si, Mark has a question. Voilà, j'apprends l'outil aussi. Aller chercher un job en Asie, je pense que c'est bien. Après, moi, j'ai des personnes qui m'accompagnent, que j'accompagne d'Asie aussi. Est-ce que tu es là? Non, je ne sais pas s'il est là. Mais clairement, par rapport à l'Asie, je pense qu'il faut encore attendre 1 ou 2 mois. Beaucoup d'opportunités, je vois dans les. Il y a beaucoup d'opportunités dans les marchés émergents tout court. Je pense que l'Asie, l'Afrique, on n'en parle pas beaucoup. L'Afrique, c'est énorme. Énormément d'opportunités. Le problème, c'est tout ce qui est lié aux matières premières. Je pense que ça va prendre une claque pendant 2 ans. Donc faites attention aux matières premières, oil and gas, à mon avis, ça va être délicat. Moi, je me positionnerai surtout dans la distribution dans les pays en Asie. Donc e-commerce, FMCG, donc tout ce qui est produits de grande consommation, mais même distribution classique. Donc tout ce qui est omni-commerce. Je pense qu'on a des grosses opportunités sur ces pays-là. Parce que les gens vont continuer à consommer différemment, mais ils vont continuer à consommer. Et après, bien sûr, si vous pouvez vous positionner sur la partie logicielle,
prenez un logiciel à la mode. Donc SAP est très très à la mode, mais il y a beaucoup de gens aussi. Mais moi, je pense que sur la partie logicielle, Microsoft va refaire son retard sur les ERP. Enfin, j'espère. Ce serait bien. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de concurrence entre SAP et les autres, donc Oracle, Microsoft. Les WMS, c'est pas encore, le marché n'est pas encore consolidé. Donc, à part Manhattan et SAP, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, de gros acteurs. Alors, je ne suis pas un vrai expert sur les WMS, peut-être qu'il y a des experts dans le chat. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis. Mais voilà. Vas-y. Apprenti, du coup, après-midi. Ouais, j'ai cours du coup. Ouais, je vais essayer de partager tous mes lives, oui. Merci beaucoup, Alain. Salut, à bientôt. C'était pas trop long. Merci. D'autres questions? Attendez, je regarde vos questions. Distribution. Alors, j'ai pas compris ta question sur la distribution Assim. Dis-moi si tu as une question. Vous avez des questions sur mes formations, peut-être? Mes outils? Si vous avez une question, n'hésitez pas. Facebook. Comment réagir quand les impôts sont gérés par les fournisseurs eux-mêmes ayant les forecasts via SAP? Mickaël, la question. Comment réagir quand les impôts sont gérés par les fournisseurs eux-mêmes ayant les forecasts via SAP? J'ai pas toutes les informations, mais si en fait tu fais rien en fait, Mickaël, tu subis. Donc il faut que tu reprennes la main sur les formations, sur les prévisions sur SAP. Donc, d'une manière ou d'une autre, soit vous arrêtez de les envoyer, soit vous les revoyez à la main. Mais en tout cas, pour moi, là, c'est dans la communication avec le fournisseur. Donc, si tout est automatique, soit tu trouves un moyen de les changer, soit tu lui demandes d'arrêter de les regarder, vous faites ça à la main pendant la période de crise. Oui, mes formations, tout est. C'est quoi? Oui, elles sont sur. Donc, si vous allez sur. Comment ça marche? Si vous allez sur mon site, elles sont là. Donc, j'en ai 5 pour l'instant. J'ai celle-là. Celle-là, c'est ma nouvelle que j'ai sortie. En fait, c'est clairement pour booster votre carrière. Donc, je vous explique toutes les étapes pour construire et accélérer votre carrière sur la chaîne. Et je propose aussi du coaching individuel. Donc, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. En gros, vous allez m'envoyer votre CV, vos objectifs, et je vais vous dire clairement, très directement, ce qui manque, ce qu'il faut que vous changiez, d'un point de vue expérience, compétences, formation. Et l'idée, c'est de vous accompagner. Ensuite, j'ai une formation enfin efficace avec Excel. Donc, clairement, c'est Excel qui m'a aidé à faire décoller ma carrière et être vraiment efficace. Donc, je vous explique mes conseils sur Excel, comment être efficace avec des exemples en supply chain et logistique. Ça, c'est la formation la plus complète en termes de technique. C'est tout. En fait, c'est tous mes conseils pour optimiser vos stocks. Et je pense que c'est le sujet à la mode en ce moment. Donc, si vous voulez un Excel très complet, toutes les étapes, je vous invite à aller voir celui-ci. Et je peux aussi vous accompagner. C'est souvent ce que font les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles rajoutent 1 ou 2 heures de coaching individuel avec moi pour que je puisse les accompagner sur des sujets très précis. Et aujourd'hui, on a pas mal de surstock. Ici, ça c'est un petit outil classification ABCXRE, j'en ai beaucoup parlé. Donc, vous avez la vidéo YouTube qui est gratuite, que je vous invite à aller voir. Et si vous voulez des exemples concrets, vous pouvez aller prendre ce petit outil. Et enfin, vous avez, je sais pas si vous voyez mon écran, oui. Et ensuite, vous avez celui-ci qui est sur animer la performance de votre supply chain. Donc, pour info, celui-ci, je suis en train de le mettre à jour. Voilà, pour ceux qui l'ont déjà pris, vous aurez la mise à jour et j'augmenterai peut-être un peu le prix parce qu'il était vraiment pas cher. Ça, on verra, mais en tout cas, ceux qui l'ont déjà pris, vous l'aurez déjà accès. Donc voilà pour celle-là, et je suis en train de travailler sur les prévisions en ce moment. Comment un zoom vraiment que sur les prévisions. J'espère qu'il sera disponible ces prochaines semaines, si je me motive. Est-ce que les questions? Prix du coaching étudiant. Ouais, je suis en train de voir pour les étudiants. C'est une bonne remarque, Tatiana. Je suis en train de revoir pour les étudiants, je pense que ça va. C'est un budget pour les étudiants, je suis d'accord avec toi. Après, je peux pas non plus, je suis très sollicité. Donc, il faudra que je vois. Je fais des webinaires que pour les étudiants. Voilà, je peux pas non plus étendre mon temps. Ou après, ça sera pas avec moi. Pour le coaching, vous allez dans l'accélérateur. Et après, sinon, vous pouvez le prendre à l'heure. Envoyez-moi un message pour ceux qui veulent faire du coaching et je vous répondrai. Ou on pourra se faire un petit appel où je vous expliquerai comment ça se passe.
J'ai cru voir trois niveaux de formation pour faire le choix que tu faisais. Xavier, je suis pas sûr de comprendre ta question. Tu peux m'envoyer un message. Vous pouvez m'envoyer un message sur contact. Comment ça marche? Pardon, pardon, Juliette. Vous avez une question? Contact avec un DC. Voilà, comment envoyer contact à abcsplashen.com et j'essaie de répondre. Là. Carrière SCM, non, alors c'est vraiment toutes les étapes que tu. Je vais t'expliquer toutes les étapes pour construire ta carrière en supply chain. Donc il y a 9 modules, je t'invite à aller voir sur le lien. C'est le programme le plus complet qui va donner tout ce que tu dois savoir pour par rapport à mon expérience pour bosser ta carrière. Donc je. Contact à abcsplashen.com. Ouais, c'est ça. Donc si ça t'intéresse, va voir sur le lien et ensuite j'expliquerai. Je pense que l'email n'est pas correct. Contact à abc. Ah oui, t'as raison. Oui, c'est contact à abcsplashen. Celui-là. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions plus près, sur la partie formation, envoyez-moi un email. Je fais des retours vidéo par email maintenant. Je trouve que c'est sympa. Et j'essaie de vous appeler si je peux vous appeler. La plupart des sites constructeurs automobiles en Espagne, ils ont. Voilà. Est-ce que les constructeurs vont reprendre leur activité en Espagne? Franchement, j'en sais rien. J'espère. J'en suis pas sûr. Clairement. Moi, je pense que ça va être très limité. Le problème, c'est que dès qu'on va avoir un cas positif, ils vont devoir refermer l'activité. Donc, je pense que ça va être plus long que 2 semaines. Ça va peut-être reprendre, mais pas à 100%, clairement. On l'a vu sur la Chine, ça n'a pas repris à 100%. Ça a repris à 80% après 2 mois et la Chine est beaucoup plus efficace. Mon email, excuse-moi, Dominique. Supplychain.com. Voilà. Voilà pour mon email. Ok, ça roule. Allez-y, hein, je peux encore rester un peu si vous avez des questions. Fuerza, fuerza para España. Forza España. Ouais, Mohamed, je vais envoyer un replay après. Les marchés en plein boom en ce moment sur l'e-commerce vont-ils connaître une chute importante? Oui, il y aura. Alors, donc c'est sur cette question. Est-ce que vous la voyez quand je clique sur la question là? Selon. Oui, non? Ah, attends, comment on fait? Attends. Voilà, donc voilà, je trouve un nouvel outil. Selon toi, les marchés en plein mouvement en ce moment sur l'e-commerce vont-ils connaître une chute importante lors du déconfinement? Oui, ça dépend des cas. Donc, je pense que les tapis de yoga, je pense qu'on a un pic sur les tapis de yoga. On peut aller voir tapis yoga mat. Vous voyez encore mon écran, ouais. Yoga mat, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont découvrir la pratique du yoga, donc il va y avoir une chute, mais je pense que ça va fortement augmenter le. Oula, effectivement, ça a augmenté. J'avais pas prévu ça. Moi, j'en avais déjà. Oui, on est passé de 39 à. Ouais, voilà, on fait fois 2, fois 3 sur les ventes. Je pense qu'il va y avoir une chute, mais je pense que le marché du yoga va exploser. Moi, je fais du yoga via un groupe Instagram. J'en faisais déjà un peu avant, mais j'en fais plus maintenant. Donc, je pense qu'il y a des opportunités. Pour avoir aussi plus de clients. Donc, il y aura peut-être une chute, mais je ne vois pas une chute massive comme le papier toilette, par exemple. C'est une bonne question. Ça dépend vraiment des marchés. Encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est être le connecté le plus rapidement possible à la demande. Sur les tapis yoga, oui, ça va retomber au niveau d'avant, voire en dessous. Mais après, comme tu auras plus de pratiquants qui ont peut-être acheté un modèle premier prix, vont ensuite acheter d'autres accessoires, etc., etc. Donc, pour moi, pour le marché du yoga, c'est une énorme opportunité. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de pratiquants de yoga avant qu'avant le coronavirus.
Donc c'est une bonne question. Mais pas mal ce truc. Hop. Voilà. Invitation Valinkid, ok. Concernant les stocks entrepôts pharmaceutiques, doit-il y avoir plus de stocks ou pas? Alors attendez, je vais remettre ça. Concernant les stocks entrepôts, doit-il y avoir plus de stocks ou pas? Ça dépend de tes produits. Encore une fois, pour moi, c'est très généraliste. Donc, classe tes produits. Est-ce que tes produits sont impactés positivement ou négativement par ce qui se passe? Pour moi, il y a aussi, il faut prévoir sur la partie. Donc, on voit toutes les grosses demandes aujourd'hui. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tous les actes chirurgicaux qui ont été décalés. Et donc, là, on a une baisse aujourd'hui, mais on va avoir un énorme pic après. Après, la question, c'est quand est-ce que ça va revenir? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas un expert en propagation de virus. Pas encore. On a encore quelques heures, on a encore 50. Mais qu'est-ce que de quoi vous voulez que je parle? Parlez-moi. Alors, quelle est la. Je ne sais pas si je dois répondre à cette question en direct. On va quand même la mettre. Allez, on va se tenter. On la voit? Non. Non, 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 non. Pardon. Quelle est la formule pour calculer les stocks de sécurité pour une production aléatoire? Je t'invite à aller voir ma vidéo sur. Pardon. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur les stocks de sécurité. Donc, si tu vas sur abcsupplychain.com en français, tu vas dans gestion de stock, par exemple. Je fais une vidéo sur six formules de stock de sécurité. Sur le. Hop. Sur, donc, par rapport à la production aléatoire, donc, tu as différentes solutions. Tu peux regarder la volatilité, l'incertitude par rapport à la demande ou par rapport au délai. Et ensuite, voilà. Le seul problème que tu peux avoir, c'est si tu as des volumes qui sont extrêmement faibles, ou là, je te déconseille d'utiliser l'écart type si tu as des volumes qui sont trop faibles. C'était un peu rapide, mais compliqué. Oula, alors là, Soumalia, j'ai une question hyper technique. Il faudrait qu'on y passe des heures. Je vais la mettre devant tout le monde. Mais. Quels sont les vrais modèles de bonne gestion de stock pour une entreprise pharmaceutique de produits vétérinaires avec plus de 17 succursales dans un pays en Afrique dans cette période de crise? Pour moi, il faudrait que j'ai les données pour te donner la question. Il faudrait que je passe du temps avec toi. Je peux pas. En tout cas, je pense que la clé dans ce cas-là, ça va être la simplicité. Déjà d'avoir accès à l'information centralisée dans un seul outil, d'avoir une information en temps réel de tes stocks, de tes ventes. Ensuite, il faut essayer d'automatiser un max, centraliser l'information et la prise de décision. Ensuite, il faut que tu automatises un maximum ta gestion de stock sur Excel ou sur un ERP. Et il faut que tu limites les problèmes de répartition. Donc, il y a plein de chantiers là-dedans. Mais voilà, ce que dit Sassi, simplifier, modéliser. Là, pour moi, c'est une question qui est très vague, mais je pense que tu as plein de trucs à faire. Quoi qu'il arrive, j'en parle dans mes formations. À chaque fois, je reviens sur le même sujet, c'est récupérer les données, mesure ta performance, définir des objectifs qui soient réalistes par rapport à tes historiques. Et ensuite, identifie trois priorités à court terme où là, tu as des vrais problèmes, deux priorités moyen terme, une priorité long terme. Donc, les courts termes, ça peut être réduire des stocks, mettre à jour des données. Moyen terme, ça peut être revoir des process. Long terme, ça peut être changer de logiciel. Mais là, c'est un projet tu dois auditer, c'est un projet de consulting, en fait, de gestion de projet. Méthode DMAIC, j'en ai déjà entendu parler. On a encore 48. Vous ne voulez pas partir? Moi, je ne pars pas. Hein. Alors, Tatiana, quel est le stock idéal pour un stock? Ok. Bon, j'ai beaucoup de questions sur les stocks. Je vous invite à aller voir ma page gestion de stock. Je pourrais pas faire des calculs en live comme ça, il me faudrait les données. Alors, tiens, on va essayer de faire ça là. Dites-moi si c'est trop technique, hein. Merci pour ceci, pour la réponse. Donc, Mark has a question. Mark has a question. There we go. Quels sont les critères les plus pertinents à prendre en compte pour calculer des prévisions de vente dans l'industrie automobile, pièces et accessoires? Alors, pièces et accessoires. Donc, je considère que c'est des produits vendus à des clients finaux. Pour moi, donc, ce qui va être important, la base, hein, c'est historique des ventes. Saisonnalité, pour moi, ce sont les deux points. Ensuite, bon, prévision. Non, c'est pour calculer les prévisions de vente. Donc, tu n'as pas besoin pour la gestion de stock. Donc, pour moi, c'est
En tout cas, les grands principes des prévisions, ce que j'expliquerai dans ma prochaine formation, c'est que tu as à chaque fois, tu as le quand, tu as le combien et le quand. Donc, le combien, il est géré par le rythme de vente. Donc, le rythme de vente, tu vas l'utiliser une vente moyenne. Souvent, ça va être une vente moyenne où tu vas mettre plein de paramètres dedans. Et le quand, ça va être ta saisonnalité. Donc, ta saisonnalité, tu vas souvent la regarder sur plusieurs années et tu vas venir la nettoyer. D'ailleurs, en passant, j'y pense pour ceux qui sont encore avec moi, pensez à ceux qui sont sur les SAP notamment ou sur les gros ERP, à revoir vos saisonnalités pour l'année prochaine, puisque ça va si votre ERP prend les historiques des 12 derniers mois, vous allez avoir une saisonnalité qui va être délirante l'année prochaine. Faites attention à ça. Et donc voilà, pour moi, tu as les deux indicateurs, c'est ton rythme de vente et ta saisonnalité. Ta saisonnalité, il faut la. Donc là, on parle de prévision de vente, hein, Dominique. On ne parle pas de prévision d'achat. Attention. Donc c'est juste sur la prévision de vente. Comment tu vas mesurer ton rythme de vente? Donc là, c'est avoir une vente moyenne que tu vas utiliser avec différents paramètres. Tu vas prendre en compte. Là, c'est difficile à expliquer en direct, mais ce qui va compter, c'est la durée. Est-ce que tu vas prendre en compte les ruptures ou pas? Est-ce que tu vas prendre en compte ton catalogue et la cannibalisation de tes produits? Donc c'est un peu plus compliqué. Et de l'autre côté, tu vas appliquer une saisonnalité. Et la question, c'est est-ce que tu veux avoir un modèle qui soit très réactif, qui réagit en fonction d'un historique qui est très court, voire exponentiel, ou si tu vas sur des produits qui sont peu réactifs. Je pense que l'automobile, vous n'êtes pas sur des produits qui sont très réactifs, à part certains produits très saisonniers. Donc moi, je jouerai surtout sur les saisonnalités pour venir gérer les pics. Compliqué en direct. Je ferai des exemples, ce sera plus simple. Concessionnaire. Ouais, c'était un concessionnaire. En tout cas, pour moi, là, par rapport à un concessionnaire en retailer, pour travailler beaucoup dans le retail, j'ai développé des algorithmes, notamment pour les magasins Decathlon. Clairement, la clé, c'est d'avoir un approvisionnement qui est tiré par les ventes automatiques avec des paramètres qui peuvent être relativement simples. Si vous êtes sur des délais très courts, ensuite, si vous avez un modèle qui est simple, ça marche généralement relativement bien. Le principal problème que je vois dans les distributeurs et les retailers, c'est surtout qu'il y a trop de commandes à la main. Donc, limiter les commandes à la main et laisser la pro tirer par les ventes. Et sur certains produits très stratégiques, pardon, vous mettez des minimums de commandes ou de présentations. Donc, tout ça, je l'explique dans mes programmes qui sont un peu plus longs. Je t'en prie, Hamza, ça me fait plaisir. Hamza, pardon. 43 personnes, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Ok, ça fait 2h05. Je suis étonné que ce n'est pas planté encore. De quoi vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle de ma vie? Qui c'est qui est encore là? Aurélie est toujours là. Aïssata, bien sûr. C'est les fidèles, les vrais. Je sais pas si je vais passer tout le replay, parce qu'il va être trop long pour les gens. Ils vont avoir 2 heures, ils vont même pas le lancer. Non, je ne vais pas faire j'irai aux toilettes après. Merci. Jean-Christophe, Jérôme. Mamadou, toujours là, merci. T'as pas une famille, Mamadou? Michael, Mohamed, Pedro, Suisse, Simon est là. C'était pas les Simon sur LinkedIn. Yann, voilà. Mais écoutez, merci en tout cas pour vos retours. Merci à ceux qui ont fait des retours sur mes formations. J'essaie de faire des trucs les plus simples et efficaces possibles. Et le DDMRP, non, je ne vais pas rentrer dans le DDMRP aujourd'hui. Là, Dominique, on en parlera plus tard. Voilà, je pense que je suis fatigué, je pense que ça fait 2 heures. C'était un bon test. Je suis content que ça ait marché techniquement. Je suis content que vous m'ayez suivi jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais renvoyer un email. Donc, j'ai votre email parce que vous êtes inscrit. Merci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous rendre grand orateur. Non. Pas encore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partager cette présentation. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça me ferait plaisir. Et après, ce que je ferai, c'est. Ah oui, dernière question. De quoi voulez-vous que je parle la prochaine fois? Vous êtes encore là? Il y en a encore 40. Attendez, j'ai un petit sondage. Quel sujet voulez-vous que je parle la prochaine fois? Voilà. Vous pouvez juste répondre à cette question. Vous envoyez un sondage pour info. Ok. Innovation, gestion de crise, accélérer sa carrière, bref, bref.
J'aurais pu rajouter supply chain digital nomade, c'est un sujet à la mode, il paraît. Si vous voulez ça, mettez autre. Ok, innovation. Donc, on parle innovation, on peut parler blockchain, machine learning, logiciel. Je connais pas tout, hein, je suis pas un expert sur tout, je vous rassure. Il y a plein de sujets, vous êtes plus expert que moi. Ok, donc ça va être quand même assez équilibré. Donc, j'essaierai de faire les trois. Une autre question. Ceux qui ont, c'est, donc on va, donc pour rappel, pour ceux qui regardent le replay, vous ne voyez pas forcément. Voilà, donc j'ai posé la question de quoi vous voulez parler. Donc clairement, vous voulez que je parle d'innovation en supply chain logistique, de comment accélérer sa carrière et comment aussi continuer à faire cette gestion de crise. Donc c'était déjà le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé un peu de tout, mais je pense que ça peut être des sujets intéressants. Super, merci. Et la prochaine question, c'est est-ce que l'heure vous convient? J'avais un doute sur l'heure. J'envoie un autre sondage. Est-ce que vous préférez plus tôt, plus tard? J'hésitais à faire le soir, mais comme il y a différents fuseaux horaires, j'avais un doute. C'est OK, c'est OK, ça fait plaisir. Bon, après, si l'activité reprend pour tout le monde, j'essaierai de le faire. Je me pose la question, c'est mieux dans la journée ou dans la. OK. Je ne sais pas si c'est mieux de le faire quand le soir ou pas, quand les gens travaillent. Je me pose la question. Pour les petites structures. OK. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois. Merci pour vos retours. Merci aux 38 qui sont encore là. Et je vous souhaite à tous de rester en bonne santé, de rester positifs, quelles que soient vos situations. Moi aussi, je vais essayer de continuer à partager avec vous. Je vais me reposer un peu là, parce que je suis un peu fatigué. Mais voilà, merci en tout cas pour votre support. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui passent vers Lisbonne, envoyez-moi un petit message. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Si vous passez par là, et je me déplace beaucoup, j'avais pas mal de conférences qui ont été annulées où je devais intervenir. Mais voilà, quand elles auront lieu, si vous me voyez dans une conférence, ça me ferait aussi plaisir de vous voir. Et pour ceux qui ont des questions pour le coaching ou les formations, je vous ai mis mon email, vous me contactez, puis je vous recontacte. Peut-être pas aujourd'hui, parce que je vais peut-être me reposer un peu. Mais voilà, d'ici, je vous recontacte au plus vite si vous avez des questions particulières. En tout cas, prenez soin de vous. Merci beaucoup et puis on se revoit très vite pour un prochain webinaire qui marche avec du son. Ciao, ciao!